Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Ah là là, la petite session de pilotage tranquille. Alors attendez voir. J'ai encore passé 1 heure à bidouiller Streamlabs OBS pour voir les sources du plantage et me regarder la vidéo intéressante d'un Américain qui finalement a farfouillé dans les mêmes options que moi. Donc bon, enfin bref. Si un jour je trouve une combinaison gagnante, je me ferai une joie de vous la partager. D'ailleurs, en parlant de joie de partage, j'ai commencé à rédiger le document que je vous mettrai à disposition dans les prochains jours pour le matériel de captation de la PlayStation 2 et de la PlayStation 3. J'ai fait des photos. J'en ferai peut-être d'autres encore des photos, mais ça va, elles sont pas trop dégueu, pas trop floues. Et j'ai commencé à rédiger le tutoriel en fait. Vous puissiez-vous, si vous le faire comme moi, pouvoir acheter le bon matériel. Voilà, la condition gagnante. Ensuite, en deuxième partie, je vous parlerai brièvement du paramétrage. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Je me suis amusé, alors qu'on est en plein hiver, on est en décembre, on voit mon pull, j'ai l'air ridicule. Je me suis amusé à mettre un semblant de veste de pêcheur estival. Histoire, tiens, je vais me déguiser comme un nunuche, comme j'aime bien faire mon foufou. Oh, c'est rigolo, ça change un peu ma tronche. Que dire, que faire, qu'on va faire vroom vroom. Qu'il faut que je lance le bon plan. Ah, oh, qu'est-ce que je m'amuse. C'est rigolo d'être en direct sur Internet. Ah là là. Bon. Visiblement, j'ai pas le retour son de la console. Ça, c'est pas cool. Bonjour Olive, j'espère que tu vas bien. Oh là là, t'es la matinale au moins du dimanche. Mais si tu ne parais pas matinale les autres jours, c'est parce que tu bosses. Je serais méchant, je dirais, contrairement à d'autres, je dirais pas de nom. J'espère que tu vas bien, que ta journée a pas été trop chiante hier. J'ai regardé un petit coup d'œil, pardon, hier soir sur ton Discord. Et j'ai vu que t'as rien posté, donc à mon avis, t'étais claqué, t'as dû même pas allumer l'ordi. Au moins j'espère que tu as pu récupérer cette nuit, que tu as pu bien dormir. Ah là 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 là. Donc j'étais en train de me dire, j'ai pas le retour son de ma console. J'ai changé un paramétrage son et c'est pas bien. Attendez, je vais couper ma musique. Faut absolument que je trouve des paramètres optimum, enfin optimaux, pardon, aux petits oignons. Pour rapidement, parce que j'en ai marre de faire 1 heure de réglage tous les jours avant une prise d'antenne. J'aimerais vraiment avoir mon standard avec écrit noir sur blanc, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, que je me batte plus. Attends, j'étais à moins 24 décibels. Ouais, je suis bête, j'attends un retour de son alors que c'est un écran de chargement. Ah là non, je devrais avoir du son. Non, c'est bizarre. J'ai pas mon retour son. Donc quand je vais jouer, en fait, je vais jamais entendre le copilote. Il y a un truc qui va pas là. C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce que j'ai merdé? J'avais le son avant. Qu'est-ce que j'ai bidouillé pour que ça saute? C'est quand même terrible ça. Attendez. Ouais, un mélangeur de volume. Je pense pas que ce soit là-dedans que je trouve mon bonheur. Hein. Non, c'est pas là-dedans. Pardon, excuse-moi, je vais te lire. Ça a été grosse journée, mais ça s'est bien passé. Et je suis allé voir Morbo ensuite. Ah, c'est bien! C'est bien. Ouais, le son fait la grasse mat, lol. Oh. Ah, t'as même pas le son de la console, toi! Parce que je croyais que ça ne concernait que moi. Encore hier, par exemple, le jeu du casse-brique, vous aviez le son, vous, en direct, mais moi, je l'avais pas chez moi. Donc, je jouais, entre guillemets, pas à l'aveugle, mais à la sourdine. Et là, si tu me dis que tu as même pas le son de ma PlayStation, c'est pas normal. Déjà ce matin, j'ai eu un faux départ avec ma webcam. Je me suis rendu compte en lançant Streamlabs qu'il me proposait pas dans les périphes de vidéo de ma webcam. J'ai dû provoquer électroniquement en débranchant, rebranchant l'USB. Et là, c'est revenu. Donc déjà, premier faux départ. Ouais, t'as pas le son du jeu. Merci Olive, heureusement que t'es là. Attends, c'est bizarre. J'ai bien.
Ça peut pas être le câblage. Ça peut pas être le câblage parce que hier j'avais le son et j'ai pas touché à mes branchements. Donc j'ai un truc logiciel qui a sauté. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Si je mets ça. J'adore quand il y a un écran de chargement qui a plus de son. J'ai pas l'air idiot. Ah non, apparemment il n'y a toujours pas de son. Parce que j'ai mes jauges de sonore de. Et là, ça bouge pas, donc c'est pas normal. Alors, la grande balance des sons de Streamlabs. Capture vidéo. Tac, 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 tac. Si je fais ça. Paramètres généraux, stéréo. Non, juste un léger sifflement. Ok, ouais, merci pour l'info. Tu fais bien de me le dire. Tac, 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 tac. Oui, ça peut pas être le output, bah oui. Ouais, au pire, je prends le téléviseur là en sortie. Attendez voir. Oh, en plus, je suis à 24 de volume. 24%, énorme. Dispositif auxiliaire, output, tac-tac, microphone. Alors là, qu'est-ce qui a sauté? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Microphone. Un, deux, un, deux. Ah non, là je m'entends en écho en double, il faut que je coupe ça. Je bidouille, hein. On dirait pas, mais tiens, tiens, tiens. Ah, c'est vraiment étrange. Oui, fais ton petit déj, t'as raison. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Bon petit déj à toi, t'as bien raison. Moi, je suis en train de bidouiller comme un fou furieux et essayer de comprendre pourquoi j'ai plus le son de ma console. On l'avait hier, je l'ai plus aujourd'hui. J'ai pas touché au câblage. Donc j'ai dû faire sauter sans vouloir un truc dans le logiciel. Mais alors quoi? Attendez voir. Périphérique de capture, j'ai peut-être fait l'imbécile. Attendez voir. OM device. Ah, j'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée de la bourde. Capturer uniquement l'audio. Oui, on entend le Oui, on entend bourdonnement. le Ouais, bourdonnement. j'ai le Ouais, retour j'ai le maintenant. retour maintenant. Je m'entends en Je double? m'entends en double? Ah oui, ah oui. Il y a de Il y a de l'écho. l'écho. Ah, merde, il y a un truc qui Merde, il y a va un truc pas. qui va pas. Ah mon Ah Dieu! mon Dieu! J'ai fait des bêtises. Attendez, je vais trouver la solution. Ah, déjà il m'a pas mis le bon mode. Oh là 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 là, ça commence. Il m'a pas mis le bon mode.
Il me propose pas plus? Tiens, c'est bizarre. J'ai souvenir qu'il proposait davantage. Ah oui, c'est l'option là. Composite. Tac-tac, appliqué. Non, ça marche pas mieux. Oh là 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 là. Déjà, le grésillement, il faudrait que je fasse la nique au grésillement. Ah. Ah. Voilà. Là, déjà, j'ai plus de grésillement. À quoi ça correspond? Pardon, hein, je suis en train de pointer tous mes organes audio. C'est le direct de l'ennui. Ah, t'as. Oui, je m'entends en écho, oui. Et encore, l'écho, je te cache pas que j'ai presque envie de dire que c'est un problème mineur. Le plus important étant vraiment la captation de l'audio de la console. Il faut que je retourne dans. Bonjour Ezer, j'espère que tu vas bien. On est en plein plantage audio. J'ai de l'écho et je capte plus le son de la console. Oui, bah oui, tu fais le chauffage de. Enfin, le chauffage, la cuisson de ton bol de chocolat. T'as bien raison. Je veux dire que ça, t'as bien raison. Ouais, ça va tranquille, Wesher, c'est cool, c'est bien. En ce dimanche matin. Alors, attendez, pardon, je vais désactiver ma capture et je vais la relancer après. Mais je vais. Il faut que je bidouille dans les options à froid. Ah, j'ai pas le droit, apparemment. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Appliquer les données de rotation de l'appareil photo. Non, mais on s'en fout. Je ne veux pas mettre un effet de retournement de la capture, moi. Propriété du périphérique de capture vidéo. Without. Interim out. Si je dis activer. Oh mince, mince! Ah mais c'est Ah mais c'est redoutable! redoutable. Feature Feature echo. 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 Si je fais Si je ça. fais ça. Ouais mais il va me faire Ouais la mais il va me faire tronche. la tronche. Non? Non? Non, j'entends Non, rien. j'entends rien. Trop fort Trop l'écho? fort l'écho. Oui, Oui. oui. La 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 ritourne. la. Alors, ce Alors, matin, ce c'est matin, c'est Chant-Tyrolien. Chant-Tyrolien. Aïe, 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 ce aïe, bloc ce bloc son. Oh, je suis son. Oh, je suis désolé. désolé. C'est le C'est le merdier. Mais c'est merdier. Mais c'est bizarre, bizarre, j'ai plus j'ai plus bidouillé du bidouillé technique, du vous technique, savez, vous savez, la gestion du la gestion du processeur, des processeur, des ressources et ressources de et de l'encodage de la carte l'encodage de la carte graphique graphique pour pour équilibrer toute la équilibrer toute balance, on la va dire, balance, des on va dire, des ressources ressources pour, en direct, en direct, éviter les éviter plantages. les J'ai fait plantages, ça ces j'ai fait dernières ça ces heures. dernières heures. Mais j'ai pas Mais souvenir j'ai d'avoir pas touché au souvenir d'avoir son. touché au son. C'est ça qui me C'est choque. ça qui me choque. Et c'est pas Et c'est rassurant pas d'avoir une rassurant config d'avoir une qui config saute qui du jour au saute du jour au lendemain, lendemain, alors que alors théoriquement que vous l'avez théoriquement vous cadenassé, l'avez cadenassé, verrouillé, et verrouillé. c'est censé C'est être censé être immuable. immuable. C'est Bizarre, bizarre. c'est bizarre. Alors, on va Alors, peut-être on voir va le peut-être comment du voir le pourquoi je comment du m'entends pourquoi je double. m'entends double. Si je fais Si ça. je fais ça. Oh! Non, je suis toujours en double. En double. Si je fais ça. Si je fais ça. Là, je m'entends. Et je m'entends Là, je toujours m'entends en. toujours en. Qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce ce que c'est que ce bordel? bordel? Bonjour, Bonjour, Reboja, j'espère que tu Reboja, vas j'espère que bien. tu vas bien. C'est le boxon C'est au le niveau du boxon au son, je niveau suis du son, je désolé. suis désolé. J'essaie de J'essaie comprendre de le comment du comprendre le comment pourquoi. du pourquoi. Est-ce que Est-ce dans que dans audio j'ai pas audio j'ai pas merdé? merdé? Oui! Oui! Mais bien, Mais cher bien, cher frère! Mais frère! bien, Mais chère bien, cher sœur! sœur! Ah là là! Ah là là! Audio. Tac, Audio. tac. Ah, je crois Ah, je savoir d'où crois vient savoir d'où vient le problème. le problème. Attendez. Attendez. Écho? Écho? Bah. Merdoum. Merdoum. Pourquoi j'ai X Pourquoi fois j'ai X XO, fois moi? écho, moi? Attendez, j'ai la Attendez, j'ai webcam, la ça s'est webcam, ça coupé, s'est ça s'est coupé, ça s'est coupé. coupé.
Là. Qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce ce que c'est que délire? ce Non mais délire? Non mais sérieusement, je suis sérieusement, navré, je mais suis j'y navré, comprends mais plus j'y rien. comprends plus rien. Ce que j'ai Ce que noté ne j'ai noté correspond ne plus correspond plus à la à la réalité. réalité. Oh là Oh là là. là. S'il change de S'il plan, change de plan, ça change pas de ça change truc. pas de Non, truc. ça a aucun Non, ça a rapport. aucun rapport. C'est quoi C'est ça? quoi ça? Ouvrir la fenêtre Ouvrir des la fenêtre des performances. performances. Oh mon Oh Dieu! mon Dieu! Oh, je Oh, savais même pas je que je pouvais savais même avoir pas que cette je pouvais avoir option-là. cette option-là. Attendez voir, Attendez j'alise un voir, peu. j'alise un peu. Qualité du Qualité direct est du direct est bonne, vous n'avez pas bonne, de vous n'avez pas de notification. notification. Ah, pas Ah, pas mal! Je mal! peux voir Je mes peux voir images mes images perdues. perdues. Bien Bien foutu. foutu. Cliquez pour ajouter un Cliquez pour élément ajouter un FPS en élément bas de votre FPS en bas de écran. votre écran. Comment ça? Comment ça? Bien. Bien. Oh, c'est très Oh, c'est intéressant très ça. intéressant ça. C'est pas ce que je C'est voulais pas ce que faire, je mais voulais faire, j'ai mais débloqué j'ai une débloqué option où une je vois le nombre option où je d'images vois par le nombre seconde que d'images par j'aimais. seconde que j'aimais. Ce qui est Ce un qui paramètre est un assurant. paramètre assurant. Pourquoi je m'entends Pourquoi je aujourd'hui? m'entends Merdoune. Merdoune. Attends, Windows me Attends, dit que j'ai Windows me deux dit que j'ai applications deux qui utilisent mon applications qui utilisent micro. mon micro. Lesquelles Lesquelles sont-elles? sont-elles? Non mais Non mais Cortana, Cortana, je la je la déteste. déteste. Alors, Alors, OBS en cours OBS en cours d'utilisation. d'utilisation. Oui, Oui, VB, VB, forcément. forcément. Qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce ce que c'est que bazar? ce bazar? Ouais, c'est Ouais, complètement c'est la phase complètement la bêta. phase bêta. Tu vois Tu vois l'intérêt de me l'intérêt déclarer de en me déclarer phase. en phase. Mais là, ce qui me fait Mais là, ce peur, qui me fait c'est peur, c'est que. que. Je pensais que Je c'était pensais gravé que dans le c'était marbre, gravé que dans le j'avais plus marbre, à que toucher j'avais mon plus à son, toucher c'était mon son, nickel c'était chrome. nickel Et la chrome. preuve que Et non. la preuve que non. Sauf que je ne Sauf comprends que je ne pas. comprends pas. Mince. Mince. Non, là, j'ai découvert Non, un j'ai bug, découvert un c'est les bug, sons c'est les de. sons de. Oui, ça, je Oui, m'amuserai à ça, je ça plus m'amuserai tard à ça d'ailleurs. plus Il tard faudrait que je d'ailleurs. fasse Il faudrait que je m'amuser fasse avec m'amuser un. avec un. Enfin bref. Enfin bref. Lecture. Lecture. Enregistrement une dit Enregistrement une microphone. Ok. microphone. Ok. Voice metteur Voice haute, metteur qui haute, est qui est prêt. prêt. T'attends pas T'attends un pas un souci souci à ce niveau-là. niveau-là. Non, ouais, non, Non, ouais, franchement. non, franchement. Non, c'était Non, gravé dans le c'était gravé dans le marbre. marbre. Et là, Et là, ce matin, ce matin, je la lance webcam la qui est webcam qui est parconnue. pas Il reconnue. faut que je provoque Il faut que je électroniquement provoque électroniquement en débranchant en branchant l'USB pour la l'USB pour retrouver. la retrouver. Sinon, vous ne Sinon, verriez vous ne pas ma verriez tronche, pas je l'ai ma tronche, je chapeauté. l'ai chapeauté. Et là, le coup de Et le coup de l'écho et je l'écho et capte je pas capte la, pas le son de la, la le son console, de je la comprends console, pas. je comprends pas. Oui, c'est Oui, ça le c'est problème ça de le problème Streamlabs, de ouais, Streamlabs, c'est ouais, que c'est c'est que vraiment c'est instable. vraiment stable. Alors j'ai regardé la Alors j'ai vidéo regardé la vidéo d'un d'un Américain américain ce ce matin matin par par rapport rapport au au problème problème de de Streamlabs. Streamlabs. Et Et ce ce qui qui est est dingue, dingue, c'est c'est qu'il qu'il a a fait fait strictement strictement ce ce que que j'ai j'ai fait fait moi. moi. Donc il Donc doit il être doit être technicien technicien informatique informatique comme comme moi, moi, il il connaît connaît ses ses classiques. classiques. Il y a quand Il y a même quand toujours une même part toujours une part d'hasardeux d'hasardeux dans dans Streamlabs OBS. Streamlabs OBS. Oh Oh merde, c'est dingue merde, ça, c'est je dingue bidouille ça, à fond je mes bidouille à options fond son, mes ça options marche son, ça pas. marche pas. Parce que si je Parce que coupe mon si je coupe micro. mon micro. Le Le grésillement viendrait grésillement du viendrait du micro. Je me micro. demande si Je c'est sais pas pas mon mon micro micro le le fautif fautif qui qui aura aura un un problème problème en en USB. USB. Attendez, je vais Attendez, débrancher je vais mon micro, débrancher je mon vais micro, revenir je vais avec vous et revenir je vais le avec vous et je vais rebrancher. le Ça va rebrancher. peut-être tout Ça va résoudre. peut-être tout résoudre. Un, deux, deux. Ah non. Ah J'ai toujours le grésillement et j'ai toujours le l'écho. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah sérieusement, là, il y a un truc qui m'échappe. Alors attendez.
Le grésillement. Je vais peut-être baisser mon micro, on va voir. Normalement, je suis pas censé faire ça, mais. C'est bizarre. Là, vous m'entendez moins bien. J'ai l'impression que vous m'entendez plus du tout. Pourquoi j'ai un grésillement que je devrais pas avoir? Ou alors, faut peut-être que je branche mon micro ailleurs, mais j'ai plus de. Attendez. Ça, c'est. Non, c'est pas le bon USB. Oh. Ah. Est-ce que ça grésille? J'ai l'impression que ça grésille plus. Mais j'ai toujours l'écho. On progresse. Oh putain, il faut que je repense vraiment mes branchements. J'ai pas une bonne combinaison dans l'USB. Il faut que je répartisse. Il y a deux grands contrôleurs électroniques dans mon ordi qui se répartissent les ports USB. En gros, par deux grappes de 5, si vous voulez. Il va falloir que je répartisse astucieusement la charge de chaque périphérique pour trouver un équilibre, pas trop lourd d'un côté et pas trop léger de l'autre, au niveau des deux contrôleurs électroniques de ma carte mère. Et je pense que ça ferait toute la différence. Ça expliquerait les instabilités quand je lance mon ordi du jour au lendemain et le grésillement pour le micro, par exemple. C'est peut-être que mon câble USB est un peu trop long et le signal se perd et se détériore. Ouais, alors il y a peut-être plus le grésillement, mais il y a encore l'écho. Alors l'écho, c'est que j'ai laissé deux fois ouvert mon micro, et reste à savoir où. Et là? Ah, je m'en. Oh, c'est bizarre. Oh. Là, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ah! Pareil, ok, merci. Parce que j'ai l'impression de m'être donné l'exclusivité de mon son. Mais c'est pas le cas. Alors, ce matin, c'est le chaos sonore. Qu'est-ce que c'est que ce bins? Je vais pas me muter quand même. Mais non, c'est débile. Attendez. Là. Non, c'est pas ça. Je pensais qu'en mettant capture de jeu sur le PC et en même temps la capture externe de la console, j'avais peut-être deux fois l'entrée audio du micro, mais c'est pas ça. C'est pas ça. La webcam, non, je me suis zappé. C'est pas ça. Tac, 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 tac. Je redis tout le bazar. Non, ça peut pas être ça. Table de mixage. J'ai quoi comme option dans la table de mixage? Oui, ben, je reviens au grand tableau là. Qui est bien foutu d'ailleurs. Mais
Ouais, bizarre. Parce que je vois pas explicitement mon micro dans les sources. Attendez voir. Si je fais ça. Et là? Ouais. Bizarre. Ouais, mais attends, le output, j'ai pas de. Ah ouais, je ferais peut-être bien de faire comme ça. D'accord. Ça, je mets comme ça. La console, toujours pas. Pardon, hein, du direct de l'ennui, mais. Ça, normalement, c'est bon. Ouais, pas de crash, pas de malheur SDR, parce que le crash peut arriver. Je ne le souhaite pas, mais. Attends, mais c'est complètement dingue. J'avais le son hier, je l'ai plus maintenant. Attendez voir. Je vais vérifier dans mes périphériques Windows si j'ai pas encore un truc en USB qui aurait disparu. Je vais aller voir dans mon gestionnaire des périphes. Non, pour lui tout est ok. Bah merde alors. Ouais, sans déconner, là je comprends plus rien. Bonjour Twinsen, j'espère que tu vas bien. Je suis en pleine panade de son. Je capte plus le son de ma console et je suis en écho tyrolien là. Et c'est l'incompréhension totale. Je dois faire Streamlabs. Mais le pire, c'est que je vois dans Voice Meter que je suis en double. C'est-à-dire que je recapte par une deuxième fois, j'ai envie de dire, mon micro, alors que normalement il ne me le fait pas. Et normalement, j'ai verrouillé Voice Meter depuis des mois, j'y touche plus parce qu'il était bien. Mais là, il y a un truc qui m'échappe. Il me remet en boucle, d'où l'écho, ma voix micro. Sauf que je lui ai rien demandé dans ce sens. Je sais pas pourquoi ce matin en démarrant l'ordi, il me fait ce faux départ. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais casser Voice Meter, je vais l'éteindre et je vais le rallumer. Donc je vais plus du tout avoir de son avant d'en avoir un nouveau. Attendez. Là, normalement, on n'entend plus rien. Il y a eu un faux départ. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Non, il recommence. Il me refout en boucle. C'est dingue ça. Si je fais ça. Attendez voir. Oh là 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 là. Là, est-ce que vous m'entendez en écho? Il faut que je parle. J'ai pas l'air idiot. Est-ce que là, en parlant, il y a toujours de l'écho ou pas? Non, il n'y a pas d'écho. Donc vous aviez le retour de mon téléviseur. Bon, ok. J'ai mis le truc trop fort. Alors, comment expliquer, sachant que je n'ai pas touché physiquement à mon matos, pourquoi du jour au lendemain, je me retrouve avec aucune captation du son de la console? C'est quand même dingue. Il faut peut-être que je débranche et que je rebranche électroniquement la captation de la console, mais c'est bizarre.
C'est peut-être ça, hein. Je vais voir. Parce que là, je vois plus d'autres solutions. Je comprends pas. Oui, mais là, l'écho, parce que j'ai mis le téléviseur trop fort, en fait. Mais j'espère capter le son de la console. J'aimerais avoir mon propre tour. Donc, pardon, le problème de l'écho, je vais le résoudre après. Mais là, c'est le coup de la console, je comprends pas. Alors, attendez, je reviens. Non, là je ne fais plus rien. Pourquoi? Je sais pas. Oh, mais génial. J'ai la manette qui tombe dans le vide. Alors. Donc, tac, tac. Attendez, j'ai le bras. Toute borelle qui bouge. Tac, tac, tac. Pardon. Non. Je vais relancer. Je vais relancer, ça va pas. Il faut que je purge mon stream labs là. À tout de suite. Voilà. Là, normalement, je suis de retour. Donc, est-ce que vous m'entendez déjà? Est-ce que vous m'entendez? Vous avez le son ou pas? Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? J'ai pas l'impression. C'est bizarre. Non, apparemment, vous m'entendez pas. C'est vraiment étrange. Là, je remonte le son. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Ouais, c'est bizarre. Voice meter. Ah oui, vous m'entendez? Wow! Alors, ouais, y avait peut-être un faux départ de Streamlabs OBS en fait. Donc ça me rassure. Par contre, ouais, c'est la console maintenant qui me chagrine. Oui, non mais ne t'excuse pas, t'en fais pas, SDR. Je suis déjà bien content que vous soyez là pour rester m'aider parce que c'est d'un chiant ce genre de direct. Je suis vraiment désolé. J'ai même mon Winamp qui est parti déclarer son indépendance. Et voilà, il est là. Sinon, ça me fait un habillage dégueu. Ça semble mieux. Ouais, bah j'ai Streamlabs OBS qui m'a fait un caca nerveux en fait. Enfin, qui a mal pris la main sur mon audio.
Maintenant, pourquoi j'ai pas la console? Attendez voir. Alors. Hop là. Hop là. Ouais. Tac. Tac. J'entends rien. Pourquoi? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Ouais. C'est bizarre. Donc vous m'avez au micro. Là, 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 là. Ouais, vous m'avez au micro. Mais vous m'avez pas en son. Le son de la console. Ça me dépasse. Je vous cache pas que là, je comprends plus. Un truc. Je relance la précédente alerte de marqueur qui me suit. J'espère que ça va marcher. Non. Je dois avoir un son et on l'entend pas. Pourquoi ça foire? Attendez. Non, c'est pas ça. Parce que là, non, ça change rien non plus. Incompréhensible. Désactiver l'audio des événements. Non, bah non. Je vais garder l'audio. Ouais, t'entends pas l'alerte, ouais. Merci, Olive. Bah alors, mon cher Tuncen, c'est que je suis dans les choux. Parce que je ne comprends pas. Hier, j'ai diffusé sans souci. J'ai rien changé au niveau du paramétrage son vidéo ce matin. Je démarre mon ordi, voilà. Je lui dis, tiens, je vais lancer Streamlabs OBS. Je vais me faire plaisir de vous rejoindre. Et là, il n'y a plus rien qui fonctionne alors que tout est gravé dans le marbre. Tout est cadenassé. Je comprends pas. Je comprends pas, sans déconner. B1 dans les tranches. Attends voir. Voice meter. Attends voir. Il est cadenassé, mon voice meter. Hein. Généralement, je le bidouille plus. Hein. Là, c'est bien. Là, c'est pas censé bouger. Ouais, 43, LG. Ouais, non, c'est bien. Moi, je recadenasse mon voice meter. Pour moi, il est bien. Périphérique de capture. Tac, 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 tac. Donc la vidéo. Ouais, je sais pas pourquoi il me force le D. Enfin bon, s'il le aura avec le D, je le laisse avec le mode D. Genre, je mets le mode I, mais. La composite. Ok. Tac, 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 tac. Alors là, le mystère. Si je me lance un son. J'ai pas le son. Pourquoi j'ai pas le son? On est d'accord là, vous n'avez entendu, vous n'avez pas entendu le GG, les applaudissements, vous n'avez pas entendu le son de l'aura de mystère. GG, Ah si, vous entendez-vous le son? Moi je l'entends pas.
Je comprends pas. Ok, merci, Tunsen. Là, j'ai mes deux écrans qui sont des téléviseurs qui sont en son. Normalement, je devrais entendre le son. J'ai rien. Je comprends pas. Ok. Ouais, bon, qu'il soit faible, c'est pas. Voilà. Mais merci de la précision technique, Tunsen. Et on est d'accord, les vroom vroom de la console, par contre, vous entendez toujours pas le vroom vroom de la console. Là, on va entendre la bagnole dans la neige. Enfin, dans la neige. C'est dingue, ça. Attendez, j'ai pas un ralenti de sauvegarder? Ouais, vous entendez pas, ouais, c'est pas normal. Charger une partie sauvegardée. Ouais, enfin bref. J'ai pas un ralenti que j'avais. Merde, je sais plus. Voir ralenti. Oui, tiens, voilà, très bien. J'ai au moins un ralenti qui me permet de faire test. On entend le son du jeu Nine. On n'entend pas le son du jeu, ouais, Nine. Ta 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 ta. Que sais-tu en. Sais-tu en. Merci encore mille fois à vous de rester, d'être là, de m'aider, mais. Merde, ça marchait hier, bordel. C'est dingue. Ah, c'est rageant. Là, j'ai augmenté une jauge, mais je sais pas à quoi ça correspond. On dirait que c'est mon micro. Bizarre. Ouais, hier c'était nickel. Ça ronronne. Ouais, j'ai un truc qui ronronne, mais c'est pas normal. C'est dit, soi-disant, mon périphérique de capture. Donc ça devrait être la PS2 là. Mais elle devrait pas ronronner. Elle devrait vous faire un son normal. Tac, 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 tac. Merde! Oh, interface à la noix. Non, j'ai pas touché à mes câbles. C'est ça qui est dingue. Le matos est inerte depuis hier. Hein. Je me suis pas amusé à bidouiller en soirée. C'est ça qui me met en rage. Déjà ce matin, quand j'ai allumé mon ordi, que j'ai voulu lancer Streamlabs OBS, il me détectait plus la webcam. Je sais pas pourquoi. La webcam avait grève. Voilà. Et j'ai dû débrancher et rebrancher pour que ça revienne. C'est l'appareil OBS. Vous avez vu, j'ai relancé au bout d'une demi-heure. Pour retrouver un casser l'écho et avoir un truc à peu près normal. Oui, mais je retrouve plus justement la jauge de son de la console. C'est ça qui est dingue. Tac, 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 tac. C'est quand même pas ça. Pardon. Une enrhume en même temps. Surveillance est sortie, peut-être, ouais. C'est quand même dingue. Ah, ça me rend fou. Non, ça n'a pas changé de dénomination. Normalement, c'est périphérique de capture vidéo. Mais attendez, tac, 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 audio monitoring device, ouais, c'est ça. Tac, 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 tac. Si je fais ça, non, je pense que ça n'a pas de sens. Ah, il y a un truc qui a sauté qui est pas normal. Attendez. Hop, je peux avoir ça et ça. Ça. Si Si je je fais fais ça. ça. Là, Là, je je pense pense que. que. Alors, Alors, non, non, mais mais Streamlabs, Streamlabs, c'est c'est toujours toujours la la misère. misère. J'ai J'ai gardé gardé juste juste pour pour les les alertes, alertes, mais mais je je ne streame streame plus plus avec. avec. Ouais, Ouais, mais mais je je suis suis un un têtu têtu et et un un acharné. acharné. Je me Je me dis dis qu'il qu'il doit doit y y avoir avoir quand quand même même combinaison combinaison gagnante. gagnante. C'est C'est juste juste que. que. Bon, Bon, là, je là, suis je suis passé passé à à constater constater qu'il qu'il peut peut avoir avoir des des faux faux départs. départs. Ah, Ah, ça ça ronronne ronronne et et il il y y a a un un niveau niveau de de l'écho. l'écho. Ok. Ok. Donc, Donc, j'aurais j'aurais pas pas dû dû toucher toucher à à ça. ça. Attendez. Attendez. Tac, 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 tac. Voilà, là normalement il n'y a plus d'écho. Ouais.
Là, je pense que vous devriez plus avoir d'écho. Enfin, j'espère. Là, là, là. Ouais, là c'est bon. Par contre, c'est le input que je comprends pas, qui fonctionnait avant et qui ne fonctionne plus. Ouais, ok. Par contre, c'est vraiment la console, là, je piche pas. Là, la console, j'ai la barre qui est inerte au son. Ça capte plus. Mais je sais pas pourquoi. Voilà. Tac, 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 tac. Si je fais ça, apparemment, ça change strictement rien. Là, peut-être. J'ai bon espoir que ça marche, mais je vois rien. Oh, ce beans. Aïe, 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 aïe. Essaye de recréer l'entrée son pour la console. Ouais. Tu dis vrai, hein, mon Tunsen, mais. Mon cher Tunsen, mais. Attends, je désactive, je réactive. Non, j'ai pas de retour. Alors, paramétrage du son, de l'entrée. Tac. Ouais, il me dit qu'il y a l'audio qui est lié à la vidéo, donc ça c'est cool. Ok. Tac. Tac. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, 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 non. Là. Attends voir. Tac, on recommence. Non, j'entends pas la bagnole. Si je dis ça. Ça n'a pas l'air de changer. C'est vraiment étrange. Oh, bah alors. Là, je pige pas. Je pige pas, sans déconner. Bon. Bah écoutez, ça, au niveau de la captation du son de la console, je reverrai dans ma coulisse. On va passer sur un jeu PC. Je vais faire je sais pas quoi, mais je vais pas vous faire suivre autant aussi longtemps. Merci à tout plein à vous d'être là. Je vais me détendre sur un jeu PC, tant pis. Je sais pas trop quoi faire du coup. Attendez, je vais regarder. Oui, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire, mais je reverrai. Là, j'ai deux frustrations. Je suis en situation d'échec. Je trouve pas la combinaison gagnante alors que je suis en train de taper sur tous les boutons du pupitre, symboliquement. Et vous, je veux pas vous faire poireauter et vous faire perdre votre dimanche matin. Vous êtes adorable de rester avec moi, mille merci de m'aider. Mais là, je veux pas vous. On est censé passer un bon moment de divertissement. Pas une prise de tête technique. Je suis pas censé vous donner l'ambiance de mon cadre de travail en tant que technicien informatique, voyez. Ouais, je verrai plus tard. Pff, tant pis pour le rallye de ce matin. Je le ferai un autre jour. Par contre, la question que je me pose, c'est quel jeu je suis en aptitude de vous faire. Non, normalement, Duke Nukem 3D, je le termine cet après-midi. Ce matin, je peux faire deux trucs. Ouais, je suis en train de regarder. Ouais, de toute façon, il faut pas que je prenne un jeu que j'ai pas configuré parce que là aussi, on va perdre du temps à. Ah, je ferais peut-être un petit MDK, tiens. Je dirais pas non. Ah, sympa. C'est rigolo comme jeu. J'aurais quoi d'autre? Je vous lis, hein.
Un ancien moniteur m'avait dit, quand ça coince quelque part, tu fais une pause et tu reviens plus tard. C'est des choses qui décantent après et tu retrouves la solution. Oui, à tête reposée. Ouais, parce que là, j'ai la frustration qui monte. Non, déconne pas, tu me saignes, tu me vannes. Ne me dis pas que t'entends le jeu de course. Attends, sérieusement? Non, t'as entendu le copilote parler? Mais très faible. Là, c'est quoi? Ah, t'as entendu aussi? Pourquoi il est faible, ce dingo? Là, là, là. Pourquoi vous l'avez entendu en super faible? C'est très faible, d'accord. Donc on serait proche du but, en fait. Pourquoi le son est très faible? L'alerte, est-ce qu'on l'entend? Non. Enfin, si vous vous l'entendez, mais pas moi. Il faut que j'arrête avec mon alerte. Ça, on avait déjà fait le point. Bon, tant pis si moi j'ai pas le retour son, mais bon. Au moins j'ai le truc à l'écran qui m'arrive dans la tronche. Ah ouais. Bah si, normalement je devrais avoir mon cher Twinsen, sauf que tout est inerte de mon côté. C'est anormalement inerte dans mon retour d'interface. Alors qu'habituellement, j'ai la jauge joie au niveau de la capture de la périphérique vidéo, c'est-à-dire la PlayStation. Et là, il n'y a plus rien qui bouge. Je comprends pas pourquoi. Bon. Je vais toucher au câble. J'ai peut-être un faux contact. Voilà. Hein, on... Attends. Attention, le gain et le fader sont deux choses différentes. Oui. Attendez. Je vais momentanément désactiver ma capture externe. Et je vais... Attendez, je vais faire le branchement. 2 secondes. Oui, péché. C'est le bon réflexe, péché. Là 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 là. Attendez voir. J'entends la console. Vous l'entendez?
Ah. Eh ben, c'était un faux contact. Sur crête. Ah la vache, on a perdu une heure pour un faux départ de Streamlabs et un faux contact alors que j'ai pas touché au câble. C'est dingue. Un laisser... Ouais, sifflement. Ah, c'est peut-être trop fort. Attendez. Mais merci, hein. Vous êtes des chefs. Punaise. Attendez. Tac, tac, tac. Hop là. Hop là. Ouais, c'est vraiment léger, ouais. 4 gauche, serré. Bah oui, tu une scène, mais c'est pas normal. Parce que j'ai pas touché au câble ces dernières 24 heures. Ça marchait hier et ça marche plus aujourd'hui. J'ai pas touché au câble. Pourquoi ce faux contact durant la nuit? J'ai des fantômes qui ont tiré sur les câbles. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. J'ai pas d'animaux de compagnie. Hein. N'essayez pas de trouver l'idée qu'il y a un chat qui est passé. Non, j'ai pas d'animaux de compagnie chez moi. Je comprends pas. Ah non, il n'y a pas intérêt à ce qu'il soit de mauvaise qualité. J'en prends soin. Et Non, ils sont bien. 3, 2, 1. Vas-y! Bah, faire le ménage. Peut-être. Je sais plus. Et 4 gauche. Dans 4, droite, 50. Long, 4 gauche. Fun fan. Ouais, bah, le GG vous revient. Merci, SDR. Le GG. Il y a un léger sifflement. Attendez voir. Là, c'est peut-être mieux. Ah oui, je crois savoir d'où vient le sifflement. Attendez voir. Non. Dans long 4 gauche. C'est pas ça. Ouais. Dans 3 à gauche. Non mais tu sais pas, Olive. Pas, j'arrive à comprendre de toute façon. C'est l'essentiel. Léger sifflement. Parce que là, je pense que vous entendez moins la console, non? Là, je retrouve ma jauge de contrôle de la console. Elle s'anime enfin. Bon, j'ai bon espoir que le son soit correct pour vous. Ouais, on comprend, oui, c'est le principal. Bon, bah, on va peut-être jouer. C'est pas comme s'il était 10 heures passées. Ah. Oui, alors, vous entendez moins la console, mais c'est correct par rapport à ma voix ou je remonte le son de la console? Alors, j'utilise pas de casque pour deux raisons. Je vais avoir un problème de câble, de portée. Ça va me faire encore un câble long. Et le deuxième, c'est que je sue vachement. Éventuellement des oreillettes avec écouteurs. Je pourrais éventuellement penser à ça. Mais un casque, je suis à mort, j'ai une peau grasse. C'est inconfortable pour moi. En plus, je pourrais difficilement faire l'idiot avec mes chapeaux. Avec alors je peux faire un petit peu plus fort la console. Voilà, pas plus. Oui, faire l'idiot avec mes chapeaux, avec un casque, c'est plus pareil. Alors là, j'ai pas d'écouteurs de service, mais je vais essayer de trouver une solution pour la semaine prochaine.
Oui, il existe plein de trucs, une scène, mais je vais peut-être me calmer au niveau finance, au niveau investissement de matos là. Enfin bon, bref. Allez, on va faire Mumus, enfin. Ah! Aïe 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 aïe, hein, merci à vous, Arrivé! vindu. Allez. Donc, au programme. Les étapes bonus et les challenges. Les challenges, on les fera après. Alors attendez, options. Non. Hic. Ouais, c'est enfin parti. Secret, il faut taper Open Sésame comme code. Hop, pour déverrouiller le. Voilà, tout déverrouillé. Épreuve bonus. Voilà. Et là, en fait, on a 6 épreuves qui n'étaient pas incluses dans le championnat du jeu. En fait, pour toujours garder des grappes de 5 étapes par pays, qui correspondent en fait ces étapes-là à la réalité et qu'ils ont quand même numérisé. Mais pour pas casser le rythme du jeu, enfin, ou peut-être qu'ils avaient des contraintes techniques, ils les avaient pas intégrées dans le championnat normal et ils les ont séparées à part. Alors, Twinsen, le coût du PayPal, des dons, machin, j'encourage pas ça. L'idée de mon direct, c'est de partager des bons moments ensemble. C'est pas de quêter et de prendre les sous-sous de tout à chacun. Alors, avec Twitch, je vais être obligé de le faire. Il va y avoir les dons, pardon, les abonnements. Je vais pas cracher dans la soupe. Bien sûr que ça me fera plaisir d'avoir par palier de 100 $ des gains. Mais la cagnotte là, je réexpliquerai le jour de l'investiture, le 1er janvier, de ma chaîne officielle, où ça va financer en priorité mon serveur Minecraft où on pourra jouer en commun. Ensuite, ça me permettra effectivement de faire de l'acquisition de jeux sur les plateformes en ligne. Et troisièmement, bah, d'investir éventuellement dans du matériel ou de faire des dons, des cadeaux de temps en temps, si j'ai beaucoup de recettes, en fait, dans les dons, de redistribuer pour faire des lots cadeaux, quoi. On verra. Cette troisième hypothèse, on en est loin. Il faudrait que je pense faudrait que vous soyez presque 100 au quotidien à me suivre, fidèle. Enfin, ça, ce sera dans très très longtemps. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais et ce sera peut-être pas plus mal. Voilà. Oui, Harry Potter, je suis pas fan d'Harry Potter. Moi, je l'aime tellement pas que je l'appelle Harry Lempoté. Allez, on se lance. Oula, attends. Ah, Catalogne. Oh la vache, le tracé, il est technique. Ah bah oui, je suis hors championnat, j'ai le choix de la bagnole. Ou vache. Alors, je vais essayer avec une bagnole que je pilote pas habituellement. Je vais prendre la coréenne. On va voir. Je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Allez, zou, on joue. Non, le fait d'investir dans du matériel, je vais essayer sur mes propres deniers. Toujours essayer de me mettre des sous de côté. Mais bon, il y a des périodes avec, il y a des périodes sans, quoi. Entre les impôts, voilà, quoi, des aléas de la vie. Là, récemment, je ne vous ai pas caché que j'ai dû changer mon lave-linge. Donc, c'est un investissement. Donc, évidemment, là. Ma cagnotte d'épargne personnelle a bien descendu, hein, voilà, mais bon, c'est la vie. Donc là, je vais me calmer au niveau de tout 3, ce qui est Twitch, 2, abonnement, 1, etc. Parce que je peux plus me le permettre dans l'immédiat. sur 13, Il va falloir que je dans me 1, mette on des sous de épingle gauche. côté. Pourquoi elle tangue la bagnole? J'ai pas compris. Dans J'ai dû long, avoir long un gauche. non-calibrage de ma manette de PlayStation 2 et elle partait de gauche à droite alors que je demandais à aller tout droit. J'ai pas capté. Dans 2, droite. Dans, attention, sur crête. Dans, épingle gauche. Sur J'ai un crête. truc qui va pas avec la manette là. Pourtant j'ai la manette d'origine de la PS2 mais j'ai l'impression que j'ai un 50, faux sur crête. contact dans le.
50, épingle droite. Rien ne va ce matin. C'est apparemment un jour sans. J'ai la poisse. C'est mon pain noir de la semaine, c'est aujourd'hui, je sais pas. 100, 4, droite. Ou alors c'est la physique de la bagnole, peut-être que je connais pas. 50, possible. Dans... Attendez, ouais, je vais te lire, Olive. Pardon, je vais te lire à l'arrivée de l'étape. Puis elle est molle, la coréenne, la Hyundai. Elle est... J'ai l'impression qu'il y a une très mauvaise reprise. Elle est mollassonne. Long 4 gauche. 50, 3 droite. Dans 5 gauche, attention, sur crête. 50, épingle droite. Vache. Non, elle m'a l'air vachement molle, la Hyundai. 50, long, 3 à gauche. 50, long, épingle droite. Oh merde! J'ai percuté le panneau! 50, long, 3 droite! Pardon? J'ai mal vu? Attendez! Le panneau est sur la route! Le panneau est sur la route. Ok. Mais ma bagnole, elle est bousillée maintenant. Mais c'est nul. Mais c'est quoi? Mais ils ont merdé la modélisation. Voilà, maintenant j'ai la bagnole qui est en PLS, j'ai tout, j'ai l'électronique à bord qui est déglinguée. Je suis en warning. Attention, sur crête. Quand je vous dis que rien ne va aujourd'hui, rien. C'est la merde. Dans, épingle droite. Oh non, j'en peux plus. C'est une catastrophe. Encore heureux que cette étape est hors championnat. 50, long, 5, droite. 50, long, 2, droite. Oh, c'est n'importe quoi. Alors là, l'épreuve là, ils l'ont modélisé à la chiasse quoi. Bah. Mais c'est quoi ce délire? Il y a des cailloux sur la route, c'est n'importe quoi. Mon Dieu. Arrivé. Voilà. Trois, deux, un. Vas-y. Bon. Gauche. Ah, Lister McRae, de la même famille que Colin McRae. Oh, c'est terrible quand même. Alors, c'est une tragédie, hein, la famille McRae. Il est décédé avec son fiston et un ami à lui qui avait en plus lui aussi son fiston. Ils sont morts lors d'une sortie en hélicoptère. Ça fait deux veuves.
Terrible destinée que Colin McRae, paix à son âme, un grand pilote de rallye. Pardon pour la rubrique nécrologique. Mais. Ouais. Ah là 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 là. Bon, bah voilà pourquoi ils ont mis l'étape de côté en bonus. Ils ont merdé la modélisation de l'étape. Aïe 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 aïe. 50 sur crête. Dans. Mais on voit que le compteur de vue est gadget en fait, parce que je vois en 3-4 connectés. Et le compteur Twitch, il dit que vous êtes que deux, alors que vous êtes plus. On voit que c'est une fonction gadget. Donc ça approximatif à la dizaine près, on va dire. Oui, l'agenda, ouais. Je vais voir si je peux pas l'améliorer. J'avais dit que je regarderais, mais j'ai pas pris le temps hier. J'ai fait d'autres trucs en fait. Si à partir d'un fichier je peux mettre à chaud l'agenda, je vais voir si je peux pas améliorer cette commande et que je vous donne des infos plus précises au jour le jour. Ce serait cool. Je vais mener une recherche là-dessus. Deuxième point. Oui, hier j'ai commencé donc à décharger les photos de mon téléphone pour faire le tuto concernant la captation des deux consoles PS2, PS3. J'ai commencé à rédiger le document. Donc avec un peu de chance, d'ici une semaine ou deux, il sera téléchargeable. Je fais une commande exprès dans le chat que vous puissiez le télécharger. Donc ça, c'est complètement dingue. Le panneau au beau milieu de la route. Bref. Et troisième point. Oui, Olive, par rapport à tes pépins de YouTube et de bande passante, le fait que tu es en échec de ne pas pouvoir charger tes vidéos, j'ai réfléchi, j'ai farfouillé un peu, j'ai rien trouvé de concret dans l'immédiat. Je dis bien dans l'immédiat. J'ai pas dit mon dernier mot par rapport à ton pépin de chargement de vidéos sur YouTube. Mais c'est vrai que le fait que tu aies une très faible bande passante n'aide pas du tout. Mais bon. Ouais, c'est tout cool. Pourquoi je vois mon... Enfin bref, c'est anecdotique. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Voilà, j'ai la bagnole complètement bousillée. Et c'est la première étape bonus sur les 6. Je sais pas ce que va donner le reste. Oui, ça urge pas, ouais. Mais ouais, j'aime bien relever les défis techniques là. Bah, ce qui me trotte dans la tête en fait, pour te donner mon idée, Olive, c'est de faire en deux coups, c'est-à-dire que tu puisses charger d'abord tes données sur un autre serveur qui est pas YouTube, qui serait plus tolérant au faible débit. Et au quotidien, au compte-goutte, quand tu allumes ton ordi, ça puisse balancer en liste d'attente toutes tes vidéos. Et que par intervalle régulière, on va dire une fois par semaine, le serveur premier qu'il faudrait que je trouve pour toi, qui serait tolérant au compte-goutte, puisse balancer une fois par semaine tout ce qu'il a de vidéos complètes à YouTube en plus gros débit pour que YouTube l'accepte. Un peu un relais proxy entre grosses guillemets, bien que c'est pas le même principe, mais je pense que c'est dans ce genre de solution que tu pourrais trouver ton bonheur. Mais d'ailleurs, par rapport à ce que je viens de te dire, il faudrait que je fasse un test moi de mon côté. S'il y a moyen de gruger YouTube. Pardon, vous avez deux fois le même ralenti. Je vais passer à la suite. Enfin, j'ai des idées qui me trottent dans la tête. Voilà. Je vais bidouiller dans mon coin, Olive, et puis je te tiendrai au courant si je te trouve une combinaison gagnante pour que tu sois peinard à faire ça. Alors, étape spéciale numéro 2.
Alors, sauvegarde, clac, 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 clac. Retour menu principal. Alors, attends, faut que j'aille dans supplément, dans épreuve bonus. La deuxième. Faut que je retienne que j'en suis à la deuxième sur 6. Là, on va en Argentine. Ok. Je vais changer de bagnole. Ah, je vais prendre la bagnole Subaru Impreza, tiens. Allez hop. C'est parti, mon kéké. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Je suis en train de me dire là le coup du cap. Je suis tellement frustré de vous avoir fait perdu, vous faire perdre votre temps avec le coup du cap du son là. Je suis en train de me dire, faut que j'essaie de faire un truc immuable, que même pendant le ménage, je tire pas sur le câble, je sais pas quoi. Faudrait que je fasse ça en semaine, que je. Oh. Parce que c'est vraiment le truc qui est idiot. 3, 2, oh là là, 1, il pleut comme vache qui pisse. Vas-y. J'ai pas qui. Dans, 3 à gauche. Très long, trois droite. Hop. Wow, j'ai eu un contre-braquage, c'était pas top. 204, droite. Sur crête. Mince, merde, je m'encastre. Dans 3 à gauche. 50, 4 gauche. 50, sur crête. Dans 3 droite et 4 gauche. 50, long, 4 droite sur crête. Dans 2 gauche. Dans très long, 3 à gauche. Attends, du coup, attention, j'ai envie de retester les messages vocaux parce que. Sur crête. Dans 2 gauche. Ma voix de synthèse, là, j'espère que je l'entends. Si par heureux hasard, entre midi et 13h, il y a FunFan qui se manifeste, s'il veut m'interpeller, est-ce qu'il peut, en tant que modérateur, le faire, en donner du fort. Ben, je vais tester ça durant le ralenti. Dans deux gauche. Arrivé. Oui, c'est une petite, ouais, une petite étape, hein. Ouais. Mmh. Attendez voir. 3, 2, 1, vas-y. Message de le-bas-sage-banancy, test sonore. C'est bon, c'est opérationnel, ça me rassure. Bon. Ah, je suis en train de me dire bonne course à toi, tu le sais. Tu vas partir faire tes courses. J'y repense, je me dis, tiens, on est dimanche matin. Il y a Chris aussi, apparemment, qui fait ses. Chris Golgoth, qui fait ses courses le dimanche matin. C'est le souvenir de dimanche dernier. Je finis par mémoriser vos petites habitudes. Ah là 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 là. Oh, cette flotte. Oh, avec le temps qu'on a perdu, je finis par douter de me dire est-ce qu'on va démarrer le deuxième opus aujourd'hui ou pas. On verra. On verra. Dans 3 droites et.
Miam, je suis en train de me dire ce midi, je vais savourer mes deux pâtés lorrains. Miam, miam, miam. Je sais tout de vous. Eh ouais. Non, mais c'est sympa. Le côté communautaire de diffuser en direct. Et bref, je mémorise, voilà. En fonction de ce que vous me dites. En plus, je fais un effort de mémorisation en fait par politesse. Dans le sens que je puisse, semaine après semaine, vous tenir une conversation cohérente et pas gagater, c'est pas le bon terme. Radoter. Et éviter de faire des bis repetita en me disant merde, j'ai oublié que j'avais déjà parlé de ce sujet avec un tel la semaine dernière. Voilà. Donc je fais quand même un effort particulier de mémorisation en me disant ah oui, j'ai parlé de ça avec un tel, tac tac tac. Et donc du coup, je mémorise vos habitudes si évidemment vous me les affichez. Troisième épreuve à faire. Tu mémorises rien, Olive. Ah mince. Tiens, mince, du coup, je me plante d'options. Allez, 3 de 6. Oh, c'est Chypre. D'accord. Le rallye de Chypre. Gravier. Là aussi, 3,4 km, ça va. Tiens, allez, hop, on va faire la Ford Focus. Allez, zou. Je me souviens même plus du championnat de Chypre. Ça m'a pas marqué. Je viens de faire une giclée de café au lait dans ma barbe. Burk. Je bois comme un goré. Attends, hop, je me frotte les mains histoire de... d'évaporer le... la grosse goutte de café au lait. Alors... 3, 2, 1, vas-y! Ah oui, c'est gravier et poussière là. 50, 1 gauche. Pipi, 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 dans 3 droite. Et 3 gauche. Dans 4 droite. 50, 4 gauche. Dans 3 droites. 50, 4 gauche, serré. Dans 5 gauche. Et 5 droites. Dans 2 droites. Et 3 gauche. Sur crête. 50, 2 droites. 50, 3 à gauche. 50, 5, droite. 50, 5, gauche. Oh, papa, la papa, papa, elle est courte, mais elle est très. Dans 5, droite. Elle est très zigzag, cette épreuve. 50, 4 gauche, sur crête. 50, 5, droite. Dans 3 à gauche. 50, ouais, non, mon chrono est pas beau. 50, 2 droites. 50, hop, 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 hop. Fallait pas couper. Sur crête, dans 4 droites. Vache. Et 4 gauches. 50, 3 droites. 50, 5 gauches. 50, 3 droites. Sur crête. 50, 2 gauche. 50, 2 droite. Dans 2 gauche. Arrivé. Mmh. Oh, c'est correct. Attends, 2, 16, heures. Voilà, je finis deuxième. Non, je m'en suis bien sorti. Il me mettait dans le rouge, mais. Pardon. Non, c'était potable là comme pilotage. 3.
2, 1, vas-y. Dans 3 droits. Dans 4 droites. Ah là 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 là. Alors du coup j'ai perdu mon bavardage habituel suite au déboire de ce matin, ça m'a bien coupé la chic. Il y avait peut-être quelque chose ce matin en me levant dont j'étais pas à vous parler spontanément, mais je sais plus du coup. Ça m'a refroidi. Ah oui, je sais plus si j'ai mis à jour ma liste de jeux PS2. Attendez voir, est-ce que je le vois? Est-ce que je le vois dans la liste? Oui, je l'ai mis dans la liste. D'ailleurs, c'est le dernier cité. Pimp My Ride, qui fait référence à une célèbre émission américaine. Et ben j'ai le jeu sur PS2. Je l'ai retrouvé à part. Je sais pas pourquoi je l'ai égaré. Et je l'ai retrouvé, je l'ai rajouté à ma pile. Donc le Pimp My Ride, que je connais pas du tout, je connais ni l'émission, mais je sais qu'elle est réputée, ni le jeu. Et je pourrais vous le faire prochainement, le Pimp My Ride. Je sais pas si ça vous parle, ouais. Olive, oui, je sais pas si ça te parle. Et... donc ce sera une découverte quoi. Je ferai ça avec vous. Je crois savoir que c'est une histoire de pilotage et de personnalisation de voiture. Je crois. Hein. Mais alors après faut aimer les directs de personnalisation de voiture parce que tu restes de longues minutes à tiens je vais changer la couleur, je vais rajouter tel élément à ma bagnole machin. C'est un peu longuet. Mais je vous cache pas que moi j'aime bien. Enfin, on verra. Je vais peut-être juste faire juste un direct pour voir. Et puis je passerai à autre chose après si moi j'adhère pas au jeu. Et si vous en plus vous êtes pas captivé par le contenu, on verra. Ça fera l'occasion d'un test. Alors, oui, j'ai fait 3 de 6. Tac, 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 tac. Supplément. Épreuve bonus. Finlande, le nom là. Ah non, l'Acropole, c'est la Grèce. Ah, pas du tout. Je pensais que de nom, j'allais deviner le pays, mais pas du tout. Je me suis planté. Ah, la petite Peugeot, allez hop. On va se mettre la petite Peugeot des rallyes. Ah. Don't go away. D'ailleurs, j'ai toujours ma tablette en PLS. J'avais commencé à la manipuler ce matin, ma tablette, et puis je l'ai laissé choir. Oui, bah du coup, elle est dans le coma dépassé, là. Oui. Vas-y. C'est parti. Bah, autant dire que ça trace tout droit, là, ça va. 50, de gauche, dans 3 droites. Bah, j'ai l'impression que c'est un frelon qui s'excite, là. Dans, au bout du moteur. La motorisation de la Peugeot est bizarre. Dans long, 5 gauche, sur crête.
Dans 5, 3... Merde, j'ai cru que c'était la route, moi. Dans 5... J'ai très mal lu la piste. J'ai cru que c'était un saut que je devais descendre, mais c'est vrai que mon copilote me l'a pas annoncé. Et 4, 3... Sur crête. Sur crête. 55, gauche, attention, ne prends pas de raccourci. 50, épingle droite, attention. Donc là. Dans long, 4, gauche. Donc là. 50, long, 4, gauche. Super. Attention, saut devant. Dans 4, droite. Oula, 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 oula. Dans long, de gauche. Sur crête. 50, 5, 3. Non, 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 non. J'ai plus trop de largesse là. J'ai un, entre guillemets, un mauvais coup de volant. 50, 4 gauche, sur crête. 50, 5 gauche, dans long, 5 droite. Sur crête, dans 4 gauche. Attention. Arrivé. Hop là! Oula, j'ai quand même 10 secondes de retard au moins. Ah, je suis deuxième, bon. Ouais, j'avais bien commencé, bah c'était la ligne droite facile quoi, mais. Après, dur, dur. 3, 2, 1, vas-y! C'est parti! Ah là là. Tiens, je suis en train de me dire, je me suis toujours pas regardé une épreuve du trophée Andros. On en parlait la dernière fois, des courses sur glace là. Ça démarrait depuis 15 jours. Ils ont commencé à Val-Thorens. Voilà, c'était la. J'avais eu un trou de mémoire la dernière fois que je vous en avais parlé. C'est Val-Thorens la première étape normalement. Il y a aussi leur tracé à Isola 2000, qui, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais qui était impressionnante. Ah là 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 là. Pareil, du grand tourisme. Ça fait un petit bout de temps que je me suis pas maté du grand tourisme. Oh, en amateur de course automobile, je suis en train de me dire que je ferais bien de vous faire la des commandes pour vous expliquer, vous donner les bons liens pour voir gratos sur internet tel ou tel championnat. Il y a le Blancpain. Les voitures de tourisme mais de haut de gamme, les Ferrari, les Bentley, les Bugatti Veyron, la grosse classe. Il y a la chaîne YouTube, vous pouvez regarder les courses pour ceux que ça intéresse. Et il y a aussi le superbe festival anglais, c'est de l'exhibition. Je devrais connaître hein, par cœur, mais non, mon cerveau est en train de faillir. Bref, une exhibition annuelle anglaise de tout ce qui a un moteur et quatre roues de manière très large. Vous pouvez voir défiler les vieilles autos des premières années, des années 30, 40, etc. Là, d'après-guerre. Comme vous pouvez voir les prototypes récents des 24 heures du Mans. Comme vous pouvez voir aussi des véhicules militaires aussi. C'est vraiment. Vraiment intéressant quoi. Vous pouvez voir carrément tous les modèles motorisés du monde qui défilent du matin au soir. Ça vaut le coup d'œil pour ceux qui s'intéressent à la mécanique, aiment les sports auto, etc. Ça vaut franchement le coup d'œil. Ah oui, les vieilles autos, il y a des pièces de musée qui sont magnifiques et tu te dis, t'es émerveillé que des personnes arrivent à les entretenir et à les garder opérationnelles. Et t'as des modèles superbes quoi. Faudrait que je vous fasse des liens. Je sais pas quelle commande je pourrais
Ouais, je trouve un mot-clé instinctif que je puisse lui dire. Long, 5, droite. Spectacle automobile ou lien à connaître. Ouais, pas que je fasse ça. Ah là 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 là. Ouais, là ça fait ligne droite. Hop, c'est l'arrivée, ouais. Allez, on va faire la quatrième étape sur les. Ou la cinquième sur six, ça y est, j'étais déjà plus mince. Oh mon dieu. Et puis après, on va relever le challenge WRC. Oui, non, 5 de 6, ouais. J'en suis déjà à 5 de 6. Ça va vite quand même. Ah, elle est un peu longue celle-là. Finlande, 8 bornes, presque 9. Ouh, que fais-je? Ah, j'ai pas pris la Skoda Octavia, je crois. Oula. Tiens, c'est marrant, deux tandems germano-belges. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, vous allez avoir sur la plateforme Steam, vous allez avoir les soldes de fin d'année et dites de Noël à partir de mercredi soir, le 22 décembre. Et moi je vous cache pas que je vais faire quelques petites emplettes pour vous diffuser des jeux pendant les fêtes là. Je suis très motivé sur le fameux Corridor 7. Lorsque je vous le ferai, j'aurai pas mal de choses à vous dire dessus. Oh, ou alors c'est le fait d'être embourbé. Je la trouve mollassonne, la Skoda. J'ai l'impression qu'elle patauge. Elle me fait le même effet que la coréenne, la Hyundai, là. J'ai l'impression qu'elle a un problème d'adhérence et qu'elle s'embourbe. 50, de gauche, sur crête. Dans 5, c'est bizarre. 3. Ou alors c'est la physique programmée du jeu, mais. Dans épingle gauche. L'arc prise est pas top en plus. 50, sur crête. Oula, oula, oula. Dans 1 gauche. Dans épingle droite. Et c'est dingue comme la configuration de la Finlande, j'ai l'impression de me recoltiner le rallye de Grande-Bretagne. Il y a le côté forêt et boue. Bon, la particularité de la Finlande, en plus là on est cerné à gauche et à droite par les pylônes, par les poteaux. Mais... J'ai envie de dire, c'est ce qui distingue la Finlande du reste du monde au niveau des étapes de rallye, c'est bon, c'est propre au pays. Merde, j'ai loupé mon freinage. Alors ça, je vais le payer cher. 50, 5, gauche. 50, de gauche. Pareil, trop vite. J'ai mal freiné. 50, attention, saut devant. Mais pourquoi elle patine? Oh, j'ai même pas le droit de mordre un peu dans l'air. Dans hein. Deux droite, elle perd toute motricité. Dans de gauche, 50, attention, saut devant. 50, attention, saut devant. 200, de droite, serré. Ouais. Oula! J'ai pas aimé la sortie droite, du saut là. Gauche. Je fais n'importe nawak. Cinquante, épingle droite. 50, sur crête. Cinquante, trois droite. Sur crête. 50, 3 à gauche, serré, dans épingle gauche.
50, long, 2, droite. Mmh. Ah, il y a eu la pêche et il y a eu une belle prise. J'ai vu le symbole Sabaping là, la tête de poisson vers le haut. Ouais, c'est toi SDR, bien joué. Un quoi, hein? Un goujon du Languedoc? 50, bien. Attention, saut devant, dans 1 gauche et 2 droite sur crête, dans épingle gauche. Ah oui, j'ai pas pointé 50, les jarres masculin féminin des poissons. J'avais dit que je le ferais, puis j'ai pas pris le temps de le faire. De gauche, sur crête, dans 5, droite. Non, je t'en prie, Ezer. Attention, sur crête. Attention, saut devant. Arrivé. Oh, c'est gentil, merci Olive. Bah bon dimanche à toi, à plus. Hein. Encore merci de ton assistance ce matin. Pour ma galère technique. Merci. Bah d'ailleurs, je me pose la question si tu vas pas prendre toi ta propre antenne, Olive. 3, tu vas peut-être continuer 2, ton Skyrim. 1, vas-y. Enfin, quoi qu'il en soit, bon dimanche à toi. Bisous tout plein, merci. Ah, voilà, donc ouais, j'ai mis 4 minutes pour l'épreuve là. Ça y est, là, je me redétends à nouveau. La frustration passée du plantage de ce matin. Ah, c'est bien, un peu de Skyrim. Nickel. Eh ben, bon jeu à toi. Bah, à mon avis, je vais sûrement te faire un relais vers midi 13h tout à l'heure, Olive. C'est bien. Nickel. Ça m'évitera de faire une coupure nette. Ah! Bah, n'hésite pas à suivre, à rejoindre Olive hein, si tu veux, SDR. Hein. Libre à toi. Fais-toi plaisir. Mais j'aime bien suivre Olive, ouais, c'est cool. Bon, je regarderai très probablement ta rediffusion, ce que tu vas faire là. Je vais sûrement très probablement te regarder en semaine. Oula, la superposition des icônes en bas de l'écran. Ah là là. D'ailleurs, c'est tout bête, mais le fait que Olive reste connectée à ma chaîne, ça va m'aider en fait dans la saisie de son pseudo quand je fais le relais de chaîne tout à l'heure. J'aurais qu'à faire @OL tabulation pour compléter le pseudo. Enfin, c'est un détail, mais techniquement, ça change tout en fait. Et encore, le pseudo est pas trop compliqué. C'est pas comme le cas de Morbo, par exemple. J'aimerais faire le relais à Morbo. Je serais bien content d'avoir la... Le fait de pouvoir compléter son pseudo. Morbo Sapin Roi des Gorées. Son pseudo complet. Bah oui. À ce niveau-là, c'est pratique. Ouais. 50, aïe, 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 aïe. Dans deux droites sur crête. Ouais, puis cet après-midi, on se continuera le Duke Nukem aux Caraïbes, parce que je l'ai pas fini, souvenez-vous. Et je pense qu'on enchaînera sur l'épisode de Noël, c'est l'idéal, hein, vu le calendrier. C'est l'idéal. Et puis, courant 2022, je pense que de temps en temps, je ferai des sessions de Duke Nukem. Où je testerai, je téléchargerai des cartes faites par les fans du monde entier. Ouais, ouais. Le sacré Duke Nukem. Oui, ça va être rigolo cet après-midi. Ça va défourailler, ça va être plus rythmé que ce matin. Mais le matin, là, c'est la détente. 50, 3 droite. J'ai la relaxation. C'est le nouveau son de l'horloge. J'ai changé le son du coucou. Mais je sais pas si je vais garder ce son là. Je vais peut-être en trouver un autre, on verra. Quand je reprendrai le temps d'écouter toute ma banque de sons, des sons spéciaux que j'ai, il y en a peut-être un que je vais trouver mieux que celui-là. Mais ça va, il est pas trop agressif le dig doudou dig doudou. Bon, elle est toujours en PLS ma tablette. La vilaine qui se fait vieille. Et qui est de plus en plus assommée, mise à jour après mise à jour.
Ah oui, non, là, il est complètement... Hop là. Et bah du coup j'en arrive à la dernière épreuve spéciale, la sixième, qui n'était pas implémentée dans le championnat. Donc on va vite arriver au challenge. Que nous réserve les challenges? Alors, tac, retour menu principal, supplément, épreuve bonus, le dernier, Col d'Oggia, c'est Corse ça, non? Ah non, c'est l'Italie, pardon. Un Sanremo. Je vais prendre quelle tuture? Allez, je vais prendre la Mitsubishi, je crois dire que je ne l'ai même pas prise aujourd'hui, la Mitsubishi. Au moins, j'aurais fait le tour complet des bagnoles. Ouais, t'aimes bien le son? Bah pour le moment, je vais le laisser. Voilà, c'est assez nouveau. Mais il n'est pas dit que pour le 1er janvier, j'en change. On verra. Si j'ai l'occasion de, voilà, d'écouter mes sons spéciaux, j'en tombe sur un qui m'interpelle en me disant tiens, ça ferait un coucou original. Pipidi, pidi, pidi, pipidi, pidi, pou. Ah, oh merde, de nuit. Ouais, je verrai bien. Ouais. Mais tu sais, je serai encore capable de changer de bruit de coucou tous les 6 mois, tu sais, pour le plaisir de varier, quoi. De pas rentrer dans une monotonie et de se lasser. Hop, je sais que je peux. 50, 1 gauche. 1 gauche. Dans 3 droites. Et 4 gauches. 50, 3 droites. Dans 3 gauches, serré. Dans 4 gauches. 50, 3 droites. 50, 2 gauches. Dans 4 droites. Hop, hop, hop. 3 à gauche. J'ai failli 50, chuter. 3 à droite. 50, 5 gauche. 50, 3 à droite. 50, 4 gauche. Dans 4 droite. Et 5 gauche. Dans 2 droites. Je vais dans le décor. C'est pas ça qu'il faut faire. Ah, puis il me réinitialise pas, ok, génial, merci, ouais, ça fait plaisir. Je perds un max de temps. Aïe, 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 aïe. 50, 3 à gauche. Dans 4, droite. 50, attention, épingle gauche. Ah. Ah oui. 50, 2 gauche. Ah oui. Dans 3, bah, droite. Là, j'ai fait demi-tour. 3 à gauche. Dans 5, droite. 50, 4, droite. 50, 4, gauche. Ouais, tu parles, 15 secondes de perdu dans le crash. 50, 4, gauche, serré. Cinquante, 3, droite. 50, 2, gauche. Dans 5, droite. Et 4 droites. Dans 2 gauches. Arrivé. Ouais, ouais, c'est dommage. J'aurais pu faire un beau chrono si j'avais pas chuté dans le ravin, quoi. Ouais, tu parles 20 secondes de retard dans le 4ème secteur. Chez ballot. Chez ballot, chez ballot. 2, 1, vas-y. Ah, tiens, tiens. Je sais plus, SDR. Niveau jeu, tu aimes Minecraft ou t'aimes pas?
Parce que moi, c'est mon jeu favori. Et j'ai mon arrière-pensée en me disant est-ce que tu serais intéressé que je t'invite sur mon serveur si tu veux jouer de temps en temps. Je sais plus si t'aimes Minecraft ou quoi, ou c'est peut-être la toute première fois que je te pose la question en fait. Dans 4 gauche, 50, 3 droite. Ah, c'est une démangeaison de bras. Ouh, j'ai le Discord qui a du mal à se charger sur la tablette. Mince. Oh là là, l'effet de vent dans la bannière. Eh oui, conduire de nuit. Voilà. Ça illustre ton propos au bon moment. Aïe aïe aïe. Dans 4, droite, 50, attention, épingle. Ibi. Dans 3, droite, et... 50, 4, droite. Hop là, dans voilà, là c'est la dernière portion de l'étape. 50, 4 gauche, serré. Mais c'est vrai qu'en fonction des équipages, ça change. Si vous avez bien regardé, bonjour Sandro. Au niveau des équipages, il y a des équipages qui sont vachement cagoulés. On dirait des, c'est des combinaisons de Nifugé là, pour éviter en cas d'incendie de cramer. On dirait des gangsters, mais avec la cagoule blanche. Et eux, l'équipage là. On voit oui, clairement oui, leur visage. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Oui, merci. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue Sandro. Bienvenue. Merci, merci. J'espère que tu vas bien ce dimanche 3, matin. 2, 1. Bonjour, bonjour. Alors, hop, attention, je vais. Hop. Ah bah tiens, je vais me lancer dans les épreuves WRC. Mais oui, bonjour. Oh là, je vais même hop écrire. Tac. Oula. Tiki 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 tiki, bonjour et bienvenue. Ah oui, Sandro, tu arrives au moment où, coup de bol, j'ai passé les pépins techniques. Ce matin, j'ai eu une heure de galère avec le son, avec faux contact dans le câblage. Il y a des dimanches avec et sans, et là, j'ai eu un sacré faux départ. Alors, hop, ça y est, j'ai fini les épreuves bonus du World Rally Championship 1, premier du nom. Challenge WRC. Tac, 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 tac. J'ai déjà essayé de passer le permis rallye, on va voir. Et puis, alors attendez, Catalogne, ok. Ah, la voiture m'est imposée, j'ai pas le choix de la bagnole, vous l'aurez observé. Donc, j'appréhende du coup, parce que je me demande quel tirage de tuture je vais avoir. Ok, le chargement a l'air d'être plus long que la normale. Et c'est là où la PS de plante. la galère, galère sur galère. Non. Bah alors. Ah ça y est. Ah j'ai la Hyundai, j'ai la voiture coréenne. 3, 2, alors 1, concentration. Vas-y. Parce que c'est un challenge. Temps, long, de gauche. Alors pardon si je parle pas beaucoup. Mais je vais essayer de faire temps, une belle quatre performance. 4 gauche. Dans 5 droite. Dans long, 2 droite. 204 gauche. Ça va, on voit la route. Dans 3 droite. 3 droite. Dans
gauche. Oula, je coupe trop. J'ai trop coupé. Dans de gauche. 50, 4 gauche. Comment ça de gauche? Ah là oui. Ouais. Dans 3 droite. D'accord, je l'ai passé en 3ème mais en dérapage. Dans long 3 à gauche. Long 3 à gauche. 50, sur 13. Ah oui. Ouais, mes chronos ont l'air d'être corrects. De gauche, 50, de droite, 50, sur crête, dans de droite et de gauche, hop là. 50, sur crête, dans 3 droite, 3 droite, 50, long, 4 gauche, mais non, je l'ai passé en 5ème, pas en 3ème, 50, de gauche, 50, mais il me dit quoi le pilote? Là, je trouve que j'étais correct dans le pilotage. Bon, il me met tout en rouge, mais je le trouve sévère. Bon, c'est un challenge. Hein. Mais donc la barre est relevée. Mais... 2, 1, vas-y. Ouh. Et normalement, c'est ça. Il y a 3 épreuves pour le dit permis de WRC. Sinon, en dehors de ça, si j'échoue à cet examen de permis, j'ai, grâce à Twinsen, encore merci à lui, j'ai fait une capture d'écran, là il m'a passé sur un site les codes pour déverrouiller les étapes spéciales. Et je crois qu'il y en a 5, je crois 4 ou 5. D'ailleurs, attendez, je regarde mon... Ah, il y en a 4 en fait. Il y a la Grande-Bretagne, il y a Monte-Carlo, donc Monaco, le Portugal... Et la Suède. Donc je sais pas, on va voir ce que ça va donner. Et une fois que j'aurai fait tout ça, j'aurai fait toutes les étapes programmées dans WRC1. Donc du coup après on passera aux deux. Voilà. Oh mince, il y a Sandro qui est venu dire bonjour et qui est parti aussi sec. Bon. Bizarre. Il vient seulement de lancer son direct. Je viens d'avoir la notification. Je crois qu'elle l'avait déjà fait depuis 10 bonnes minutes, mais non. Ouais, c'est le temps qu'elle fasse les manies. Oui, voilà, j'ai même la notification sur ma tablette. Ouais, c'est bien. Alors, continuer le test dit du permis. Continuez. Oula, j'allais faire une bêtise. Ouais, bon, j'ai quasiment 6 secondes de retard. Ouais, il y a 2 autres épreuves. Portugal. Ah, ça a l'air d'être... Le final a l'air d'être rapide. Mais les 2 tiers, c'est du technique, apparemment. Alors, du coup, j'incarne un autre équipage avec une autre bagnole, ou... c'est les mêmes? Point d'interrogation. Ah. 3. Apparemment c'est les mêmes. Vas-y, 50, sur crête. Dans très long, 3 à gauche. Aïe. Je viens de me faire mal au pied. Sur crête. 150, 4 gauche.
d'avance, de gauche. Attention. Dans 5, droite. Sur crête. Dans très long, 3 à gauche. Voilà. 50, épingle droite. Oula. Alors le truc qui me perturbe, je viens de voir que quelqu'un m'a envoyé en privé un SMS. Donc c'est sûrement de la famille ou un ami qui me contacte. Je ne cacherai pas que si c'est un truc urgent, je vais m'autoriser à regarder mon SMS pendant le ralenti de l'épreuve là. Et je vous prie de m'en excuser par avance, mais je voudrais pas louper quelque chose d'important si quelque chose de potentiellement grave venait d'arriver, on ne sait pas. Évidemment, je ne le souhaite pas, mais c'est rare que mes proches savent que je suis pas du tout téléphone. Et c'est rare qu'on m'envoie des SMS. Donc en général, c'est qu'il y a un truc. On veut que ce soit une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour Noël. Sur crête. Dans de gauche. 50. De droite. Dans très long. De gauche. Hop, 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 hop. J'ai failli faire une sortie. 50. Long. 3 à gauche. Sur crête. Dans 3 à droite. 50, merde. 4, droite. Elle a pas freiné. J'ai perdu l'adhérence, elle a pas freiné. Long, à gauche, sur crête. 200, attention, tour devant. Attention au saut. Doucement, ouais. Arrivé. Hop là. Ouais, donc normalement, on va y avoir le... Ouais, hop, le ralenti. Ouais. Alors pardon, je vais me lever, je vais aller voir mon téléphone parce que ça m'intrigue. 3, 2, à tout de suite. 1, vas-y. Je vais vous mettre dans la confidence de mon SMS, mon cher cousin qui habite une autre région de France, donc il est hors de Lorraine vis-à-vis de moi, qui vient de m'envoyer une photo d'un présentoir d'une boulangerie-pâtisserie dans son secteur. Donc en gros, il est en Saône-et-Loire. Et le boulanger proposait nos spécialités Lorraine, donc un pâté et une tourte. Et rien que de voir la tronche du pâté. C'est pas un pâté lorrain, ce qui prétend être un pâté lorrain. Mais bon, je ne peux que saluer un boulanger qui essaye d'innover. Voilà. Voilà pourquoi il m'a urgemment envoyé une photo. Parce que, voilà, ça laisse pas indifférent qu'on est lorrain et voir sa spécialité sur un présentoir. Chez quelqu'un qui sait bien, qui essaie, mais qui maîtrise pas du tout la recette, ça se voit visuellement. Un pataquès lorrain, peut-être, mais ce que j'ai vu, c'était pas un pâté lorrain. Ah là 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 là. Tu t'en sors bien. Oui, merci. Oui, je sais pas. Du coup, j'ai même pas fait gaffe d'ailleurs si j'étais dans le vert à un moment dans l'épreuve là. J'étais tellement concentré que j'ai pas regardé le chrono. Oui, sympa quand même.
Oui, c'est pour ça que je modère mon propos en disant que je salue un boulanger qui essaye de, voilà, de se lancer dans d'autres spécialités régionales. Mais bon, bref. Dédicace au boulanger, oui, c'est ça. Allez, ouf. Alors, du coup, j'ai pas regardé. Je suis grave en retard dans le chrono ou j'ai rattrapé du retard parce qu'apparemment, c'est un cumul sur les trois épreuves. Ah oui, non, là, j'ai quand même... si, j'ai quand même cumulé pas mal de retard. Oui, bah, à mon avis, je l'aurais pas, le... L'autre étape, ouais, faut faire en 2.35. Ah, encore que Suède, normalement, je suis bon sur la glace. Mais rattraper 16 secondes, quand même, non, c'est mission impossible. La vache. Oui, c'est pas grave, je vais taper les 4 codes pour les challenges, là, des 4 pays que j'ai cités, et puis... On aura fait complètement WRC. Bah, vu l'heure, à mon avis, je pense qu'à midi, on va basculer entre le 1 et le 2. Et puis, je vais commencer un championnat dans le 2 que je connais pas, en fait. J'ai peut-être joué un petit peu au 2 pour tester, mais je n'ai pas gardé souvenir. Ça remonte à trop longtemps. Je pourrais pas dire. Vas-y! Dans de gauche. Dans, attention, tour devant. Ouais. Oui, on voit voilà que la bagnole m'a imposé là. Je me retrouve en Citroën Xara. Alors que tout à l'heure j'avais la Corelle, la Hyundai. Là. Dans, attention, tour devant. 50. Attention, ouais, devant. Tu parles. Je viens de rattraper un tiers de seconde. 50. Donc c'est mort. J'ai perdu mon adhérence. J'aurais dû freiner encore plus tôt. 300. 3 droite. Non, je pense que le. Encore que j'allais dire. Mais si, j'avais accès au réglage. Je pense qu'il faut bien régler la bagnole avant de se lancer dans l'étape, en fait. Pour, là, comme il n'y a pas le choix de la difficulté du challenge WRC, souvenez-vous, le championnat, je l'ai fait en facile. Et là, je pense que c'est en difficile. Je pense que c'est même pas normal. Je pense que c'est difficile, c'est les vrais chronos, les vraies conditions du championnat réel. C'est pour ça que je suis entre guillemets contre-performant quoi. Là je peux pas être en mode touriste. Bon la glace me réussit, on le voit là, je suis dans le vert, mais là faudra que je grignote encore 13 secondes, c'est pas possible. Et encore, je suis pas parfait, ça se voit. Là j'ai débordé en dérapage. J'ai un peu patiné. Attention, tour devant. 50, très long, 4, droite, serré. Non, ça suffira 5, pas. 50, épingle gauche, sur crête. Attention, tour devant. Dans 4, droite, et 4, gauche. 50, attention, tour devant. 100, sur crête. Attention au saut. Arrivé. Bon, je suis dans le vert, mais... Non, ouais, sans déconner. Ah bah, franchement, je m'en sors bien. Mais ça suffira pas, voilà. Là il va me soustraire 3 secondes, mais c'est pas 13. 3, c'est 2, ballot, mais voilà, 1, quoi. Ça joue. Vas-y. Mais on s'en moque. Le fait que j'ai pas le permis, de toute façon, je vais tricher avec les codes. Et puis je vais faire les 4... Les 4 challenges relevés, pardon, qui je pense se seraient déverrouillés si j'avais rempli les conditions du dit permis et que j'étais dans le chrono qui m'était imposé, quoi. Je pense que c'est ça. Hop, pardon, je m'adresse un peu parce que je suis en train de me tasser dans le siège. Mais oui, mais c'est bizarre. C'est bizarre.
Quand je vous dis que c'est Gadget, les compteurs Streamlabs, là vous êtes deux, parce que je vois qu'Olive, avec mon logiciel de chat à part, là, je vois qu'Olive est encore connectée, elle est adorable, mais il compte que un, alors que SDR t'es là, donc ça devrait faire au moins deux. Et qui plus est, la personne qui a suivi tout à l'heure, qui a fait fidélité, je devrais avoir le compteur crédité à 41, et je reste à 40. Donc au niveau rafraîchissement, c'est bizarre, c'est poussif. Bon, bref. Ça reste Gadget, c'est pas là l'essentiel. On voit que c'est pas strictement temps réel, quoi. Bref. Alors par contre, théoriquement, cet après-midi, quand je relancerai pour du Nukem, la logique voudrait que le compteur soit mis à jour et que je passe au moins de 40 à 41. À moins que ce soit un farceur ou que la personne n'ait pas aimé le bienvenu et se soit désabonné juste derrière. Donc ça peut se produire aussi. Enfin, pas se désabonner, mais se défidéliser juste derrière. Parce que c'est bizarre. Oh les jouets de Twitch, s'en passe des trucs. Et c'est l'arrivée, ouais. Parce que de voir les barrières et de voir du public sur le côté. Et ben voilà, c'était la troisième et dernière épreuve de permis. Qui est sacrément relevé. Ouais, je le conçois. On va tricher! On va rentrer les codes! Je tique! Ouais, il y a que là où je suis dans le vert en fait. Ouais. Oh la vache. Bah, même si on ignore l'étape 2, on voit que ce que j'ai fait dans la 3 aurait pas suffi pour récupérer l'écart de la première épreuve. Non, je vais pas réessayer, je vais pas m'acharner. Je vais entrer les codes challenge. j'ai triche. Alors, le premier, c'est pour la Grande-Bretagne, c'est YJ. Alors, Y. J F T. Le F il est là, le T il est là-bas, R S. Alors hop, R et S. Et là normalement voilà, Mitsubishi lanceur, clac 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 clac. Ah c'est, oui c'est des lots de 3 en fait. Donc j'aurai 4 fois 3 épreuves. Ah non, ça va peut-être me tenir en haleine jusqu'à 13h. Ouais, bah je me suis battu du mieux que je pouvais. Mais du coup, je me pose la question. C'est des étapes que j'ai fait dans le championnat ou c'est encore des étapes bonus? Non, non, c'est des challenges. Donc c'est des étapes imposées avec l'équipage et la bagnole là. Donc c'est des étapes que j'ai déjà faites en championnat, je crois. Oh, je pense que je m'en reconnais 2-3. Là, la première, là, elle me parle pas. Ça m'a pas. On va dire que l'étape m'a pas traumatisé quand je l'ai faite. Attends, je m'avance un peu. Je trouve que je suis un peu loin de la cam. Voilà. À force de me lever et de me rasseoir dans le siège, j'ai un peu. Je me suis reculé au niveau du champ. Concentration. Oh merde, il pleut. 3, 2, 1, vas-y. 50, 4, droite. Dans long, 4, gauche. 200, très long, 3, droite. Oula. Je suis en train de réfléchir en même temps. Je pensais à l'idée de faire le 2 dimanche prochain, mais attention. Dimanche prochain, on est dans la période de Noël et je sais pas si je serai chez moi le dimanche. Je serai peut-être encore chez ma frangine, je sais pas. Parce que le dimanche prochain, c'est le 26 décembre.
comme je fais Noël chez la frangine. 50, de droite. Je sais pas, on va dire. Je serais peut-être là, je sais pas. Dans long, 4 gauche. Sur crête. D'ailleurs, j'ai même pas confirmation, je suis en train de me dire, avec ma frangine. Je vais peut-être faire un Noël décalé en plus. Je dis ça, j'en ai aucune idée. 50, 4, droite. Dans long, 4 gauche. 50, 3 droite. Oula. Ah merde. 50, 2 gauche. Dans 5, 3 droite. Oui, j'ai vu ton aller, on y croit. 50, 3 droite. 50, attention, tour devant. Dans long, 5, droite. 50, long, 4 gauche. Oula. J'ai fait des bêtises. Dans 2, droite. 50, long, 2, gauche. Attention, tour devant. Dans 4, droite. Dans 3, gauche. 50, 3, gauche. Attention, sur crête. Dans 3, droite. 100, 2, droite. Dans 5, gauche. Et 3, droite. 50, 3, droite. 50, attention, tour devant. 50, 3, gauche. Dans 4, droite. Sur crête. 50, 3, gauche. Je commets pas de grosses fautes, donc ça va, je suis plutôt auto-satisfait, on va dire. 3 droite. Ah, il y a eu la bosse terrible. Arrivé. Il me met dans le rouge, mais oh, 20 secondes de retard. Oh la vache, dur. Ah ouais, sacré challenge. Bon, bah je vais faire des comptes performance alors que je suis plutôt satisfait de mon épreuve là. Bon, ok. Ça calme. Hein. Oh là 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 là. Le jeu devient punitif hein, au niveau des challenges. Non mais c'est sûr, c'est vraiment le niveau de difficulté max qui est imposé et c'est vraiment les vrais chronos de l'épreuve réelle. Parce que là j'ai pas gravement fauté et il me fout 20 secondes dans la tronche. En plus l'étape elle était moyennement longue quoi, il y a plus long. Souvenez-vous là, la Suède j'ai une épreuve qui fait quasiment 12 bornes et j'ai l'Australie, je crois que ça fait 14 km l'épreuve. C'est la plus longue du jeu. En long, 5, droite. Eh ben. Non, bah, je vous accompagne jusqu'à quasiment 13h, je crois, avec les 4 lots de 3 épreuves de rallye. C'est sympa. Ça fait les prolongations du jeu. Et puis, on aura vraiment fait toutes les étapes. 50, voilà, 4. Voilà. Dans long, 4 gauche, 50, 3 droite. Aïe. Ah ouais, c'est vrai que j'ai tapé là au niveau du filet de sécurité, ouais. J'avais merdé la chicane là. Encore que j'ai pas perdu tant autant de temps que ça, quoi. J'avais encore de la motricité, j'avais un mouvement en effet d'inertie, mais bon. Long, 5. Je suis pas retrouvé à l'arrêt complet. Ibi. Dans 2 droite. Excusez-moi, je me refagote. Et on entend hein, le bruit de la motorisation n'est pas la même en fonction de la bagnole. Là au moins pour un premier opus de rallye, ça fait vachement réaliste. On n'a pas le bruit de bourdon excité de la Peugeot, par exemple. C'est pas la même motorisation, ça s'entend nettement. Tour devant.
50, 3 à gauche. Oui, mais oui, je sais qu'Oli va lancer son direct sur, Skyrim. Mais moi, j'ai eu la notification double. Je l'ai eu sur mon ordi et je l'ai eu sur ma tablette. Sur ma tablette, là, je garde un œil sur mon Discord. Et j'ai les prises d'antenne des autres, des copains que je suis. Donc, oui, encore pas mal d'épreuves. Bah là, il y en a encore deux en Grande-Bretagne. Et puis, il y a les trois autres pays à faire. Donc, ça y restera encore 3 fois 3, 9 épreuves. Non, mais c'est sûr, ça va me tenir en haleine jusqu'à 13h. C'est pas plus mal. Comme ça, de 13 à 14, je déjeune, chavoure mes pâtés lorrains, puis je reprendrai l'antenne à partir de 14h pour du Knekem. Voilà, c'est le programme habituel des dimanches actuels. Tranquillou. Oh, t'en fais pas, va pour les fautes de saisie. Moi, ce qui m'énerve dans mes saisies où je me relis pas dans les chats, c'est que souvent je commets l'erreur de pas accorder mes verbes en fait. Ça c'est marrant, à vrai dire, je me souviens plus du championnat de Grande-Bretagne. Donc est-ce que c'est des épreuves bonus ou ce. Non, je pense pas que ce soit des épreuves bonus. Enfin bref, c'est toujours agréable de les faire, mais. C'est bizarre. C'est bizarre. Tac, 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 hop là. Hop. Bref, chargement. Tap, 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 tap. 3, 2, 1, vas-y. 50, long, 3 droite. Mais oui, c'est parfait, tout ça. 50, 3 à gauche. 50, long, 4 gauche, serré. 5, droite. 3 droite. 50, long, épingle droite. 50, épingle gauche. 50, épingle droite. Faut pas que je termine dans le décor. Oh là là, les conditions météo déplorables. Sur crête. Dans de gauche. 300, 3 droite. 50, 4 gauche. 50, 4 droite. Sur crête. 50, 4 droite. 50, 4 gauche. 50, très long, 3 à gauche. 100, 4 gauche. Wow. 100, long, 4 droite. 100, 4 gauche. 50, 4 gauche. Oh vache. 50, long, de gauche. Ce qui fait flipper, c'est les arbres proches du bord de la route. Et 4 gauche. T'as pas le droit de déborder. Sur crête. 50, attention, saut devant. 150, 3 à gauche. 50, très long, 4, droite. 2 gauche, 50, 3 à gauche. 2 droite. 50, très long, 2 gauche. 200, 3 droite. 100, très long, 3 à gauche, serré.
Dans long, 5 gauche. Vache. Technique. 150, 4 droite. Je fais pause parce que là mon image à l'écran s'est figée. Vous me recevez? Ça s'est subitement figé. Là, ça y est, là, je me revois à nouveau en direct. Bon, je continue la course. Je sais pas pourquoi j'ai eu un gel. Ça m'a fait flipper. Pardon de l'interruption. Oui, apparemment, j'aimais toujours. Bizarre. Arrivé. Bon, ça c'était pas rassurant du tout. Ça s'est figé mon écran pendant 2-3 secondes. Donc j'ai cru que mon ordi allait cracher. Ou Streamlabs. Eh ben. Et long, 3 droite. 50, long, épingle droite. Qu'est-ce que je voulais vous dire, je sais plus, par rapport aux fêtes de fin d'année. Donc on va dire, je sais pas. Oui, donc je sais pas si je diffuserai le week-end prochain, puisque samedi c'est le 25 décembre. Dimanche 26 décembre, je sais pas. Je vous tiendrai au courant. J'ai la chance d'être en congé à partir de Noël. Alors je sais pas si je suis encore de congé une ou deux semaines. On va voir. J'ai bon espoir d'avoir deux semaines. Ce qui ferait que je pourrais diffuser un max, surtout les matins, jusqu'au 8 janvier en fait. En fait, de manière transparente, va se faire la transition entre la phase bêta et l'inauguration officielle dite du 1er janvier. Mais encore merci à vous toutes et tous, hein, parce que j'ai... Vous voyez, depuis que j'émets depuis 6 mois sur ma chaîne, la chaîne a vachement évolué. J'ai passé je sais pas combien d'heures, on les compte pas les heures, investies à faire l'habillage, que ce soit graphique ou sonore. Et ça a de la tronche, je suis content. Ça ressemble quasiment à la version finale que je voulais avoir, que j'avais imaginé en me disant si je devais me lancer en direct sur internet pour mes jeux vidéo. Comment ça devrait se présenter? Ben voilà, vous le savez maintenant. Il y a l'effet digital moderne que j'aime beaucoup. On va dire en écriture de Radio Réveil là. Ça, je suis content. Pareil que je prenne les bons réflexes et des fiches mémo par rapport aux incidents techniques comme ce matin. Bon voilà, parfois relancer tout le schmilbic. Enfin là, le faux départ, le double faux départ de ce matin entre Streamlabs et puis les câbles qui sont déconnectés à la sauvage dans la nuit. Enfin bref. Histoire que ça n'arrive pas dans le futur. Mais c'est cool. On arrive dans la phase où je serai en normal, quand je diffuserai officiellement, et puis j'aurai plus de grosses œuvres à faire, j'aurai plus qu'à lancer mon direct, et puis partager des bons moments avec vous dans les week-ends à venir. Ça va être cool. Et ce qui me tient très à cœur, alors, je rappelle le programme des fêtes. Donc au 1er janvier, le jour de l'inauguration, je me lance sur PS2 dans GIGN Task Force. Et le seul jeu où il y a notre ancien président Jacques Chirac qui est modélisé en 3D qu'il va falloir sauver d'une prise d'otage, ça va être rigolo parce que le jeu est quand même réputé prise de tête. Le joueur du grenier l'a fait, Frédéric Molas. Mais ça reste rigolo et je me lance le défi comme premier jeu diffusé officiellement sur ma chaîne dans celui-là. Parce qu'entre guillemets, c'est pas qu'il est culte, mais c'est une référence ce jeu-là. Et comme j'ai la chance de l'avoir, je vais vous le faire. Et ce qui me tient très à cœur aussi,
c'est de... Je cesse d'en parler depuis une semaine, c'est le fameux Corridor 7, qui est un jeu basé sur le moteur de Wolfenstein 3D, mais en amélioré. Et c'est une histoire de, d'extraterrestres guerriers qui envahissent une base américaine. Enfin, je vous réexpliquerai quand j'aurai le jeu, que je vous le diffuserai. En plus, il y a deux versions. Il y a une version disquette, il y a une version CD-ROM. Et là, en fait, je vais découvrir la version de CD-ROM parce que je me suis rendu compte que j'ai joué adolescent à la version disquette. Or, c'est une version biaisée, amputée de... Oh là là, 10 km. Ah ouais. Je finis même par le douter, par me dire, est-ce qu'on va faire toutes les épreuves challenge aujourd'hui? Je vais peut-être en garder un peu sous le pied en rap pour le... La prochaine fois, je diffuserai du WRC. Enfin, on va voir. Bref, franchement, le... Et en plus, la version CD donc, du Corridor 7, je pense qu'au niveau heure de direct, ça va nous tenir en haleine au moins une bonne vingtaine d'heures. Je pense que je peux sans déconner faire une vingtaine d'heures. On va faire ça par petits bouts. Et le jeu me tient à cœur. J'aurai pas mal de trucs à vous raconter. Et je trouve que le jeu est bien pensé. Vous le verrez quand je le ferai. Je vous ferai part de mes théories, des explications que j'ai à connaissance. Non, non, vraiment cool. 3, ah là 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 là. 2, 1, vas-y. Dans, 2, droite. Sympathie. Dans, 3, gauche. Dans, 2, droite. Attention, saut devant. 50, 3 droite. Dans long, 5 gauche. Ah, de nuit, c'est stressant. Dans 4 droite. Oui, oui, le jeu va être sympa. Oh, ouais. Dans, saut devant. Il va y avoir de la tension, comme c'est un first person shooter, FPS. Il va y avoir un suspense haletant, surtout 50, dans certaines phases. Droite. Mais là, je vous en dis pas trop, je vais pas vous dévoiler le titre en lui-même, mais moi, je vais pas bouder mon plaisir. Donc, je présume que vous aurez plaisir à regarder quand vous serez là. Et puis, pourquoi pas aussi enchaîner dans la foulée, dans les jours à venir, sur le Half-Life 1. Il y a FunFan qui était enthousiaste à l'idée que je refasse le premier opus. Moi, je dis pourquoi pas. Ça fait un paquet d'années que je ne l'ai pas refait. Oui, je vais peut-être garder un petit peu de WRC1 pour la prochaine, on va voir. Mais j'irai pas au-delà de 13h, puisqu'il faut que je prenne quand même du temps pour moi pour déjeuner. Et puis histoire de te passer poliment le relais à Olive, qui est en train de faire du Skyrim. Attention, dos devant. Tranquillou, pépère, on est un dimanche. 50, de gauche. Vache. Dans, 2, droite. 50, long, 4, gauche. 50, 3, droite. Dans, 4, gauche. Ah! Mince, j'ai débordé. 50, 3, droite. Dans, très long, 3, gauche. 50, attention, saut devant. Attention, saut devant. Dans, attention, sur crête. Dans, de gauche. 50, 3 à gauche. Dans, long, 3 à droite. Serré. Hop, 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 hop. Dans, 4 gauche. 150, attention, saut devant. Dans très long, 5, droite. D'accord, 4, droite. Dans 3 à gauche. 50, 3 à gauche. Dans 4, droite. 50, 3 à gauche.
Attention, saut devant. Dans long, 3 droite. Oula. 50, de gauche. Dans 2 droite. 150, très long. 3 à gauche, serré. Dans 3 droite. Et 4, droite. Dans 2 gauche. 100, attention, saut devant. Dans 3 à gauche. 50, 3 à gauche. Dans 4, droite. Dans très long, 4 gauche. Hop, 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 hop. Très long, 4, droite, serré. Ah, je m'embourbe. Épingle gauche. Dans très long, 4, droite. Trois à gauche. Tant, attention, saut devant. Arrivé. Ah, j'ai quoi? J'ai 20 secondes de retard, plus 50 secondes de retard. Non, mais c'est horrible. C'est trop dur. 3, 2, oui, donc, 1, je repense à la session horreur de cette semaine qui était exceptionnelle, là, du vendredi soir avec Thunder 2. Donc, je suis en content de me dire j'ai fini un jeu d'horreur. Chose qui m'était pas arrivée encore jusqu'alors. J'ai eu plaisir à me remater hier après-midi et hier soir. Et, du coup, j'ai complété avec des séquences, moi, qui me plaisent, en plus des clips qu'avait fait FunFan. Donc c'est autant de contenus qui vont être ajoutés dans la compilation de fin d'année, le best-of en fait. Et j'ai bien crié, ouais, j'avoue. Je me suis bien marré avec l'Hercule, j'ai bien crié avec le Slender. Je les avais là. Hein. Je les avais là, les pétoches. Dur. Mais c'était rigolo. Et je me suis vu en train de répondre à Christella en fin de direct, où elle me posait la question, c'est la première fois que tu fais un jeu d'horreur. Alors... oui et non en fait. Tout dépend si on considère ce jeu comme un jeu d'horreur. Mais il est vrai que j'ai fait la petite fantômette bleue là dans le manoir dont les mi-pièces changent aléatoirement, qui est sorti assez récemment, qui est également aussi dans une logique de 3D à la Wolfenstein 3D pour parler technique. C'est dire à quel point j'aime cette technique qui est basique, hein, qui est des années fin des années 90, début 2000. Maniac Mansion, n'importe quoi. Spooky Mansion Jumpscare là, avec la petite fantômette bleue. Et vous pouvez voir d'ailleurs ce que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Comme c'est des trucs que j'ai fait hors antenne il y a un an ou deux, j'ai mis ça directement sur la chaîne YouTube et en archivé. Alors j'ai fini le jeu principal, j'ai fini le premier contenu additionnel qui était l'hôpital. L'hôpital, par contre, j'ai eu des pétoches dans le jeu là. Et j'ai pas fini, il faut que je termine prochainement la maison de poupée. Et le début m'a beaucoup plu. Mais je l'ai pas fini. Il faut que je fasse gaffe d'ailleurs. J'ai des éléments encore à chaud en mémoire, mais si je décroche complètement, il faudrait que je recommence depuis le début parce que. Il faudrait même que je regarde mon ralenti du début de la maison de poupée pour que je me remette dans le bain avant de refaire la suite. Je pense que je vais faire ça. Je vais peut-être d'ailleurs le faire dans la quinzaine, là, comme je vais avoir du repos. Ça va être les fêtes. Voilà, voilà. Mais officiellement, sans déconner, ce vendredi, la Slender 2, c'est la première fois de ma vie que je finissais un jeu dit d'horreur. C'est vraiment une première pour moi. À bientôt 40 ans. Voilà, vous voyez comme quoi c'est pas ma spécialité. Hein, c'est pas mon. Mais de temps en temps, je dis pas, je pourrais peut-être faire un ou deux jeux d'horreur, on va dire, par an. J'ai déjà le prochain dans les tuyaux, jeu d'horreur. Je vous dis rien, je vous laisse la surprise. Mais je ferai sûrement ça, on verra, on va dire en février.
Voilà, je prévois large. On verra. Ça dépend de... Oui, sacré programme. Bah, j'ai la chance d'avoir une ludothèque bien fournie. Donc, au niveau contenu, je me fais pas peur. Là-dessus, je suis confiant. C'est juste que c'est mes disponibilités. On verra semaine après semaine. Quoi. Ça... Je veux juste prendre maintenant du temps pour moi, dans ma vie personnelle, et me consacrer au moins un jour de la semaine qui est en week-end, que ce soit le samedi, le dimanche ou le lundi, au moins matin et après-midi, que je vous diffuse. Surtout si j'arrive à être affilié, et ça va plus vite que je ne pensais. Vous voyez, je suis déjà à 40 dans le compteur. Je devrais bientôt pouvoir vous proposer les dons et les abonnements. Ça, c'est un truc qui est imposé par Twitch, hein, qui est Pompafrique. On en a déjà parlé, vous savez que je suis pas spécialement pour, mais bon, voilà, je vais pas cracher dans la soupe. Mais franchement, je vous encouragerai pas à le faire. L'essentiel, c'est qu'on se retrouve en direct et qu'on passe un bon moment. Mais au moins, par politesse vis-à-vis de vous, que je vous fasse un jour de direct toutes les semaines. Elles seront rares, à mon avis, les semaines où je n'y faudrais pas du tout, parce que j'ai un rendez-vous familial ou autre, ou je sais pas quoi. Mais... À mon avis, à moins qu'il m'arrive à un truc grave, du genre une hospitalisation, enfin vraiment le genre de truc qu'on ne souhaite pas dans la vie, mais vous aurez au strict minimum avec moi, vous aurez une journée pleine tous les 15 jours. Mais c'est vraiment la grosse période de vache maigre, quoi. Mais je vais essayer d'éviter. Et puis ça me fait du bien. Voilà, vous savez que je suis à mon aise avec, avec Twitch, c'est cool. Voilà, voilà. Voilà, j'avais pas fait gaffe au nom du pilote. Risto, le nom scandinave à rallonge. Enfin, c'est loin d'être le pire. Je crois que le pire, c'est les noms en Inde. Ils ont des noms qui font 50 syllabes. Oui, ce sera déjà très bien. Ouais. Non, par contre, là où je me dis que je serais incapable de faire par rapport à d'autres, c'est les 24 heures de direct. C'est hors de question avec moi. Je vais pas me mettre dans le mal. Éventuellement, je pourrais peut-être faire des grosses journées de 12 heures. Si je suis en forme, si je suis captivé sur un truc, pourquoi pas. Mais ce sera, à mon avis, relativement rare. Attendez, alors là j'arrive à la fin. Ah, c'est pas mal ça. Comparé avec les autres champions, entrer le code machin. D'accord. Ah, c'est pas mal leur truc. Oui, voilà, ouais. Au minimum, je pense que ça va. Voilà. Et je vais essayer d'en faire deux par semaine, c'est-à-dire le samedi et le dimanche. Ou le dimanche et lundi, si mon week-end devait être décalé pour raison professionnelle. Ça aussi, ça peut m'arriver. Alors attendez. Oui, c'est là qu'il faut que j'entre les codes challenge. Alors, je vais ressortir l'autre code. Là, on va aller à Monte Carlo. Alors, Monte Carlo, c'est L5020. L5020. Mince, pourquoi j'ai la photo qui se barre? Bah, j'ai mon affichage d'image qui a sauté. Waouh, j'ai mes cartes graphiques qui n'arrivent pas à charger en mémoire tampon. Au secours, j'ai pas le temps de lire le restant du code. Ah, il est midi. Bon appétit si vous êtes à table. Mais non, mais mon truc de photo qui me... Attends, non, non, en fait, c'est mon Windows qui a bugué. Il m'a lancé l'application photo alors que je lui ai rien demandé. Mais non, mais je veux pas de collection, moi. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Ouais, excusez-moi. J'ai cliqué là où il fallait pas, en fait. Oh, minute papillon. Je vais retourner dans mes images. Excusez-moi. Je vais recharger l'image des codes. Vraiment, ce matin, c'est...
Non, mais non, je lui dis d'arrêter le chargement, il m'interdit d'accéder au fichier. Oh oh! Windows qui est capricieux à donf. Donc, voilà, il manquait la lettre K. Oh là 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 là. Et là, j'ai accès à Monte Carlo. Oui, rallye automobile de Monte Carlo. Ah non, ça, par contre, il n'y avait pas Monte Carlo. Il y avait la Corse. Mais il n'y avait pas Monaco-Monte Carlo. Là, normalement, les trois épreuves que je vais faire, elles sont totalement inconnues. Ou alors, elles sont hors championnat. Eh oui, Monte Carlo. Je me souviens pas que c'était dans le championnat. Pour la France, on avait la Corse, là. Dans cette édition-là. Tiens, tiens, c'est bizarre. Bah, le compteur de qui me dit qu'il y a 5 spectateurs maintenant. Alors que mon logiciel me dit que vous êtes que 2. C'est... Ok, il y a même Streamlabs vraiment qui perd la boule aussi. Enfin, je suis plus à ça près. Oh là 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 là, ce dimanche matin, tout part en roue libre. Alors là, ça m'intrigue. Le coup du challenge à Monte Carlo, Monaco. Du coup, il va peut-être y avoir de nouveaux décors où ils ont fait un copier-coller avec la Corse, ce qui serait étrange. Enfin bref, je sais pas. Ah, puis c'est de la neige. 3, 2, 1, vas-y! Ah non, c'est totalement nouveau là. Dans long 4 gauche. Donc, théoriquement, là, on est dans les Alpes. 50, les Alpes droite, méditerranéennes. Enfin, je comprends plus. 50, 3 droite. 50, 4 gauche. Et 2 droite. 50, 2 gauche. Dans 2 droite. Dans 5 gauche. Dans long 4 droite. 50, 4 gauche. Dans 4, droite. 50, 3, gauche. 50, 3, droite. C'est beau. C'est beau, mais c'est technique. 5, droite. Dans oh là là là, comment j'ai fait tanguer la voiture. 100, 3, droite. Dans 2, gauche. Sur crête. Dans 3 gauche, serré. Dans 5 gauche. Et 5 droite. 50, 2 droite. 150, 3 gauche. Mmh. 50, 3 droite. Merdoum! Ah, oh, je devrais pas taper le décor. Dans 3 droite. Et 2 gauche. 50, épingle droite. 200, pas mal mon gars, j'en ai pas eu. Épingle gauche. Ouais, elle arrive tardivement l'épingle gauche. Voilà. Dans long 4 droite. Arrivé. Oh, j'ai eu un peu de vert et je trouve que je m'en suis bien sorti là. Ah, un peu de vert, bon, allez, 1 sur 5, je me l'accorde. Non, mais c'est correct, je trouve que j'ai bien piloté là, je suis content. 3, 2, ah non, mais là, c'est du 1, tout nouveau, ouais, c'est vraiment les Alpes. C'est cool, c'est cool, c'est vraiment du contenu bonus le challenge. Très agréable surprise. Ah, vous êtes repassé à 1 dans le compteur de spectateurs. Ça n'a aucun sens. En fait, c'est un générateur de nombres aléatoires, le. Aïe aïe aïe. Je ne suis plus à sa près. Ah là là, vain du. Ah
Aou, 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 aou. Doucement, quand je m'étire, faut pas que je me déboîte une vertèbre de la colonne là. Ça m'a un petit peu titillé le dos là quand je me suis étiré. Faut que je fasse gaffe. 3 droite. 100, 5, droite. Allez, 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 allez. 100, épingle gauche. Manisen Maki. Ouais. Un nom un peu à rallonge pour le monsieur. Papa dit pas dit papa, pipa dit pas dit d'aller. Tiens d'ailleurs, je suis en train de me dire, je vais peut-être me noter les codes dans le chat. Quitte à. Ah bah non, il m'a fait sauter l'image, vous voyez, j'ai recliqué dessus, ça a ressauté. J'ai vraiment mon ordi qui est au bout du rouleau, hein, qui a du mal à gérer les ressources. Mais bon, mon gros inconvénient en fait sur mon ordi de jeu, c'est que j'ai perdu ma carte graphique de... qui était la 460 GTX de jeu. Je me retrouvais avec deux petites cartes de bureautique 710 GT, sans le X, qui fait toute la différence en fait. Et du coup là j'ai mon ordi qui est vieux de 10 ans, qui devrait être mis à la retraite quoi. Sauf qu'en ce moment, c'est vraiment pas le moment pour moi d'investir dans un ordi neuf. Enfin, on verra. Tout ce que je demande, c'est que mon ordi lâche pas. Parce qu'en plus, c'est mon outil de travail, donc... Il étouffe du bois. Allez, on continue l'Euro Challenge de Monte Carlo. Qui dit Rockesteron 3 bornes 3. Oh, ça a l'air d'être la côte. Enfin, la côte, pas la côte d'Azur, mais un bord de montagne. Vu le tracé, on dirait qu'on longe une falaise. Ça me fait l'effet là. Donc, une épreuve de 3,3 km. Si elle est si courte, ouais, Monte Carlo, let's go. C'est que ça doit être bien technique et les virages doivent être bien serrés. Peut-être que je vais rester qu'en deuxième et en troisième rapport. C'est pas à exclure. J'appréhende un peu. Allez, pied au plancher. 50, long, 3 à gauche. Sur crête, 50, 2 droite. 50, 3 à gauche. Dans long, 3 droite. 50, 2 gauche. Dans 2 droite. 100, 2 gauche. Non, en fait, je suis bien à fond. Dans 3 à gauche. Et 3 droite. Dans 3 à gauche. 50, 2 droite. Alors, je triche. Parce que je me sers de la barrière pour me stabiliser. C'est pas bien. En vrai, faut pas le faire. Dans long, épingle droite. 50, 4 gauche. J'ai failli me payer la barrière de face, ce qui m'aurait été fatal. Dans 3 droite. Ça s'est joué à 1 cm. Et 4 gauche. 50, 5 gauche. 50, 4 droite. 50, 3 droite. 50, long, 4 gauche. Dans 4, droite. Là, les gens étaient très mal placés. C'est un coup à renverser quelqu'un. Ils étaient en sortie de virage, c'est le truc à pas faire. Arrivé. Non, ça va. C'était pas si technique que ça. Là, je trouve que j'ai plutôt fait une belle performance. Oui, voilà. J'ai conditions réelles, visiblement, j'ai juste 2 secondes et demie de retard, ce qui est très honorable. Là, je suis content de moi. 3, 2, 1, vas-y. Bon, attends, j'ai peut-être me boire un peu de flotte, c'est pas tout de boire du café, mais... D'accord, 3 à gauche, dans long, 3 à droite. Hop là. Attends, je relève un peu mon chapeau parce qu'il me sert un peu trop le crâne.
Et ça devient désagréable. 50, de droite. Dans long, 4. Dans long, épingle droite. Ouais, beau dérapage, là je suis content de ce que j'ai fait. La caméra était bien placée, ça faisait stylé. Ouais, la vue hélicoptère est vertigineuse. C'est cool. C'est cool, waouh. Alors, troisième épreuve de Monte Carlo. Kejako. Sisteron et Troad. Alors, Sisteron, ça me parle. Ah, 6 km4. Ouh, les virages en lacets. C'était vachement tortillonné dans le tracé. Ça va être méchant les virages en lacets. Là, on va en faire une vingtaine. Sisteron, c'est pas une île? L'île de Sisteron? Ou le phare de Sisteron? Le nom est célèbre. Ça me dit quelque chose. Il y a un festival, peut-être. Festival de Sisteron, non? Je ne sais plus. Mais le nom est familier. La commune a sa notoriété, là. Bon, c'est brumeux. 3, 2, 1, vas-y. C'est brumeux, on voit pas. 50, 4, gauche. Ah, c'est sombre, en fait. Dans long, 4, droite. 50, sur 4. Ouais, c'est sombre. Ah, oui, oh là là, la météo 5, est pas top. Droite. C'est très couvert. 50, long, épingle gauche. Alors les épingles, je vais en bouffer. 50, sur crête. Dans long, 4, droite. 50, épingle gauche. Sur crête. Dans épingle droite. Ne prends pas de raccourci. J'adore quand il dit ça. 50, droit à gauche. 50, sur crête. Dans long, 4 gauche. Dans épingle droite. Dans épingle gauche. Et épingle droite. 50, épingle gauche. 50, sur crête. Dans 5, droite. 50, sur crête. Oh, il est dans nice. 50, de droite. Ouais, ça trace là. De gauche. Ah, ça va. 200, de droite. Mais je tire tout droit. Je me relaxe, c'est dans cool. 4 gauche. Et 4 droite. 50, de gauche. 150, 3 droite. 50, 4, droite. Dans 4, gauche. Dans 5, droite. 50, 4, gauche. 100, long, épingle droite. 50, 5, gauche. 100, épingle droite. Eh bien. Voilà. Merde. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai tapé méchant. Dans épingle droite. 50, très long, 4 gauche.
50. Attention, 5, droite. Dans long, 4, gauche. 50, 4, droite. Dans épingle gauche. Dans 5, droite. Et 5, gauche. 50, 3, gauche. Dans long, épingle droite. Et long, 4, gauche. Arrivé. Ouais, elle est pas évidente cette épreuve là, ouais. Elle est usante, comme elle est un peu dans la durée. Ouais, 16 secondes de retard. Ah, ça va, c'est moins pire que 50 secondes de retard. Ah, Didiou. Oh, Didiou. Mais oui, mais c'est. Ouais, genre. La Wisebot qui me dit que j'ai 5 spectateurs qui ont reçu la monnaie récompense, voilà, d'être resté sur la chaîne. Et le compteur qui est à 1 du côté de Streamlabs, il y a vraiment un truc qui va pas, quoi. Aïe 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 aïe. Épingle gauche. Mince, du coup, je voulais dire quelque chose et je sais plus. Bref, d'une manière générale, hein, pour ceux qui sont de passage de temps à autre sur ma chaîne, je vous souhaite évidemment de joyeuses fêtes. Profitez bien, raisonnablement, mais profitez bien. Épingle droite. Ah là là, le plaisir de revoir la famille. Éventuellement les amis en plus. 50, 3 à gauche. Aïe 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 aïe. Et puis de se faire plaisir dans l'assiette. C'est marrant parce que quand t'es jeune, généralement quand t'es gamin, t'attends ton cadeau en fait. Le 25 au matin. Et hâte d'avoir ton cadeau. Ou d'ailleurs, il y a certains parents qui le font le 24 au soir. Mais avec l'âge, tu te reportes du cadeau ou de dire de passer un bon moment en famille et un bon repas, tu sais. Tu sais que tu vas te remplir bien le gosier, aussi bien au niveau du ballon que s'il y a dans l'assiette qui est plus noble, plus classe, que se détacher de la journée, du restant de l'année. Et puis se donner du courage, j'ai envie de dire, et des forces par rapport à la mauvaise saison. Faut pas l'oublier non plus. C'est là où je me dis que dans l'autre hémisphère, ils sont un peu... Ils doivent être dans une atmosphère particulière, par exemple les Dom-Tom, nos îles qui sont sur l'hémisphère sud et qui font en fait Noël à 30 degrés. C'est... Ça va être bizarre. 50, de gauche. Mais bon. 150, bref, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Ah, il y avait des petits coins de ciel bleu quand même. Mais le ciel est vachement foutu, hein, pour un premier épisode de WRC. Donc théoriquement, on va monter en gamme, au niveau de la classe graphique, d'un opus à l'autre. Je me demande déjà à faire le jeu des, pas des 7 erreurs, mais presque de comparaison au niveau des graphismes entre son premier opus et le deuxième opus qu'on découvrira, bah, du coup, la prochaine fois. Pardon. Sachant que je devrais vous faire sur la PS2 les 5 à la suite. Le 1, le 2, le 3, le 4. Et entre guillemets le 5ème, mais qui n'est pas noté WRC5. Mais spécial Sébastien Loeb édition. La grande classe. C'est cool. Mais je repense à ma remarque de la précédente étape où il y avait le public qui était mal placé en sortie de virage. Ces trucs dans la réalité, normalement, c'est pas censé se produire, quoi. C'est-à-dire que je me loupe dans mon freinage, je fais ce qu'on appelle un tout droit. Là, je tuais des gens, quoi. Je dégommais le public qui était au bord de la route. Ne jamais se tenir en extérieur de virage aussi proche de la piste sur une épreuve de vitesse de rallye. Ça... Enfin, je rechigne, je chipote sur des détails. Et bon, c'est une simulation, c'est un jeu. Mais dans la réalité, je me dis, pourvu que ça se passe pas comme ça, quoi. Parce que là, il y a, sans déconner, il y a danger de mort. Ça me travaille. Encore qu'il soit derrière une rambarde de sécurité, je comprendrais qu'il y aurait une glissière, ok. Mais là, c'était pas le cas. C'était quasiment la neige et le ravin brut, quoi, la nature. Et le gars était planté là, quoi. C'est... non, je vais pas réessayer, je suis content de ce que j'ai fait.
Voilà, il sauvegarde. Hop. Alors, challenge WRC, le suivant. Entrez le code de challenge. Alors, comme un ego, j'ai plus l'image. Puisque j'ai mon Windows qui me boude, pour le coup. Tac, 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 tac. Mais j'aurais vite fait de remettre la main sur la dite image. Point. Alors, the code à entrer. Tac, tac, je me mets au milieu de la grille pour faire une saisie plus rapide. Bah alors, il me recharge l'image ou pas? Ah, voilà. Alors, après Monte Carlo, c'est le Portugal. PHY. PHY. 8. Oula, voilà. Oh, j'ai fait sauter le micro. Voilà. Donc, je disais quoi? 745 MJJ. 745 MJJ. Voilà.
C'est le prochain code. Aïe aïe aïe. Alors là, là pour le coup, j'ai à nouveau ma voix. Mais je crois que c'est la console qu'on capte plus. Je vais devenir fou. Oui, merci. Oui, non, c'est le code d'après. Oui, bah merci. Du coup, je l'ai dans mon, voilà, dans mon listing de chat. Bah, je pourrais remonter là-dessus. Ce sera plus pratique. Mais mon ordi se fait vieux. Mon ordi. Ah bah tiens, les tapes est déjà fini. Mais là, du coup, on a plus le son. Il y a plus le son de la console. J'ai pas l'air idiot. J'ai pas l'air idiot. Aïe 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 aïe. Oh mince. Donc tac, oui, elle est. Oula, 9 bornes. 9 bornes, 9 bornes. Bonjour FunFan, j'espère que tu vas bien. Donc là j'ai un petit souci technique. Le son a à nouveau sauté au niveau de la console. Donc. Ah, c'est ma musique que j'entends en arrière-plan. Mais la console, ça va plus. Elle répond plus présente, là. C'est complètement dingue. Oh là 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 là, le boxon. Ah, la citation du jour, qui tombe maintenant. De Bernard Weber. Attendez voir. Je vais couper l'antenne et relancer très rapidement. Attendez, pardon, à tout de suite. Mmh. Oui, n'hésite pas, merci pour les clips. Merci pour les clips, FunFan. Mais c'est bizarre, cette instabilité est complètement dingue. Bon, allez, je me lance. Mais là, je sais pas si on va avoir le son de la console. C'est bizarre. Oui, merci. Ça y est, je viens de voir sur la tablette que tu as déposé le clip dans le Discord. Merci, t'es un pro, FunFan. Ah là là. Comment vas-tu, mon cher FunFan? En ce dimanche matin. Non, il n'y a plus le son. Alors je pense que vous avez plus le son de la console. Ouais, tu commences à te réveiller, mais ça va. Ouais, mais c'est bien. Moi, j'ai plus le son de la console. Je sais pas si vous l'avez. J'entends très légèrement mon retour de musique. Mais Là, j'entends plus mon copilote, j'entends plus la bagnole. Ce qui aide pas du tout au pilotage. Oh là là. Là, j'ai l'impression de faire une épreuve de rallye conceptuelle en muet. Enfin, en muet, en sourdingue. Ce qui n'aide pas du tout. Heureusement que j'ai l'affichage. Ah, toi, tu l'entends, FunFan? Bah, moi, mon retour a sauté. Bon, bah, c'est bien, je suis content que vous ayez, vous, le son. Moi, je l'ai pu. Donc, là, pour moi, j'ai l'impression de parler dans le vide. Bon, c'est bien, hein, je suis ravi que vous ayez le son, c'est l'essentiel. Mais moi, j'avais un retour, là, je l'ai pu. Non, je suis censé avoir le retour son avec le HDMI des cartes graphiques, mais. Je pense que c'est mes cartes graphiques qui sont en PLS en fait. C'est des cartes de. J'ai une carte par écran pour les deux écrans, donc j'en ai deux. Et c'est des cartes graphiques de bureautique quoi, donc je leur en demande trop. C'est pénible. Bon bah je suis ravi pour vous. Dans droit à gauche,
J'espère que je vais pas avoir trop d'incidents cet après-midi en faisant du Knukem, quoi. Parce que sinon, ça va, franchement, ça va pas le faire. Bonjour Cyber Jojo. Oh, ça me fait chaud au cœur de te voir. J'espère que tu vas bien. Oh, ça me fait, franchement, ça me fait très plaisir de te voir, Cyber Jojo. Ah, oh, j'aime bien voir des personnes qui viennent me faire coucou de temps à autre de manière assez régulière. Ça fait vraiment plaisir. Ah, oh, j'espère que tu vas bien. Ah, tu viens de te réveiller toi aussi. Ah, l'hiver, ça donne envie d'hiberner, hein. Aïe, aïe, aïe. Non, j'ai merdé mon freinage. Oh mon dieu. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Donc le programme de l'après-midi, Duke Nukem aux Caraïbes, on le termine cet après-midi, je reprendrai l'antenne à partir de 14h, entre 14h et 15h. Le temps pour moi de déguster, là, de me restaurer en pause déjeuner avec des délicieux pâtés lorrains. On enchaîne là. Oh, je vous parle et puis je pense plus au rallye. Oh là là, je viens de tuer ma voiture. Bien fait pour ma tronche. On enchaînera sur l'épisode spécial Noël de Duke Nukem, comme c'est la période. Hein. Autant se mettre à fond dans la période de Noël. Oh, mais quel abruti je fais. J'ai pensé ce que j'allais dire. Et je me suis détaché du rallye et j'ai commis une grave erreur de pilotage. Oh, tu t'es couché à 4h30 du mat. Oh mon dieu. Voilà, l'arrivée de fou. Bon, ça va, j'ai un peu limité la casse, on va dire. Enfin, dans le chrono, pas dans la bagnole. Ouais, 30 secondes de retard. Mais bon, j'ai commis une grave erreur. Aïe aïe aïe. Oh la vache, tu t'es endormi. Enfin, tu t'es couché, c'est même pas que tu t'es endormi. Tu avoues t'être couché à 4h30 du mat. T'as fait une très longue partie sur Age of Empires 3. J'ai pas vu le temps passer. Ouais, c'est chronophage, c'est terrible ça. Donc pour vous qui venez d'arriver, j'ai fait tout à l'heure. Alors. Déjà, j'ai pris l'antenne à 9h ce matin et la grosse galère technique. Deux gros pépins. Streamlab OBS qui me faisait un caca nerveux et qui me coupait la moitié de mes canaux sonores. Donc, on entendait ma voix, mais pas la console. Et faux contact dans mes câbles de PS2. Alors que j'y ai pas touché et que j'ai pourtant diffusé de la PS2 hier soir. Je sais pas, ce matin en me levant, est-ce que j'ai percuté un truc sans m'en rendre compte? Je sais pas. Mais j'ai dû débrancher, rebrancher et je m'en suis rendu compte au bout de 50 minutes de direct. En me battant, heureusement il y avait une scène et Olive adorable qui était là pour m'aider, me dire on entend, on n'entend pas. Donc j'ai véritablement commencé à jouer qu'à partir de 10h. Et j'ai fait les 6 étapes cachées bonus hors championnat qui sont incluses dans le jeu grâce au code que m'avait envoyé une scène. Merci à une scène. Donc c'était sympa là, ça va être dans le ralenti. Enfin, ça, vous le retrouverez sur Twitch et puis pendant 15 jours et puis j'immortaliserai dans la semaine. Je déposerai la vidéo sur YouTube comme d'habitude. Et là, je suis en train de faire les épreuves Challenge WRC. C'est les chronos réels du championnat. Donc, je suis rarement dans le vert hein, parce que la barre est très haute. Là, il n'y a pas le choix de difficulté facile, moyen, difficile. C'est vraiment du difficile réel. Alors que j'avais fait le championnat Pénard Pépouze en facile, quoi. Avec beaucoup d'indulgence au niveau des fautes de pilotage. Ouais, la classique, juste encore un tour et au final, tu vois pas le temps passer, ouais. C'est horrible. Enfin, c'est horrible. Ce que tu es en train de dire, Cyber Jojo, ça me rappelle un sketch de François Pérus, l'humoriste québécois qui fait les 2 minutes du peuple. Il fait les petits sketchs humoristiques vachement bien, que je vous invite à écouter. Il a fait un sketch comme ça par rapport à ceux qui sont cyberdépendants, qui passent leur journée sur ordi pour plein de trucs et surtout pour jouer. Et justement, le gars qui dit « Allez, encore une, encore une ». Et puis il y a le patron qui l'appelle. Eh oh, Georges, tu devrais être au boulot là. Ah oui, patron, j'arrive tout de suite. Non, non, t'arrives pas. Ta carrière est finie, game over. Le patron horrible au téléphone. Enfin bref,
Je retranscris mal le sketch, mais l'idée est exactement là. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Ah là 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 là. Bon, bah c'est bien. Je suis content de vous lire que vous alliez bien. C'est cool, c'est cool. Ah là là. Donc on va voir ma sortie, ma grosse route où je me plante dans l'arbre. Ça devrait pas tarder à arriver, je crois, dans le tracé. Dans 30 secondes, je pense. Parce que j'ai mis un peu plus de 4 minutes. Et c'est dans les 30 dernières secondes que j'ai merdé. Je me suis viandé. Lamentablement. Là, par contre, il fait beau dans l'épreuve. Là, il y a un beau ciel bleu. C'est pas comme l'épreuve précédente des Alpes Monte Carlo, là où c'était super brumeux. Et il y avait un manque de luminosité, c'était terrible. Mais c'est vachement bien retranscrit hein, d'un point de vue technique. C'est vraiment bien fichu. Voilà, c'est là où je blâme. Oh, bien. On voit le pare-brise qui pète au même moment. Voilà. J'ai bousillé la Mitsubishi Lancer. J'ai basculé un mode stock car. C'est dommage. C'est pas ça qu'il fallait faire. Oh là là, complètement effralé le pare-brise. Ah oui, il y a 40 toutes les vitres qui ont éclaté. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors, suite du challenge. La suite du terrible challenge. Ah, il reste Fafé. Ah si, Fafé, ça me parle. Fafé, le nom me parle. L'épreuve, si, je l'avais faite en championnat. Bon là, évidemment, la voiture va m'être imposée, mais Fafé, là, ça va être... Ça va être une épreuve classique. Ouais, allez, derrière, il y aura... Je sais plus c'est quoi le dernier pays, mais... Si, j'aurai le temps d'enchaîner, et puis, ouais. Tant pis si je déborde un peu de trésor, mais... Au moins, j'aurai la satisfaction de me dire j'aurai complètement vu avec vous le contenu de ce WRC1 qui est sur PS2, qui est excellent. Hein. Moi, j'aurais pas boudé mon plaisir. Hein. Le jeu est excellent. Du coup, je suis enthousiaste pour faire le 2. J'espère que la difficulté va pas être trop relevée. Mais je pense qu'il va nous en mettre plein la vue avec de nouveaux tracés puisque les étapes changent d'une saison à l'autre. Et ça, c'est cool. Ça fait plaisir. En fait, la plus grosse appréhension que je peux avoir d'un opus à l'autre, par rapport à toute une saga de jeux de pilotage, là, c'est que la physique, le moteur du jeu soit rigoureusement différent et que je sois contraint de refaire un apprentissage de maîtrise des véhicules. Par rapport au moteur de jeu, s'il devait y avoir vraiment une grosse révolution d'un opus à l'autre, ce qui n'est pas à exclure. Hein. Je vais peut-être le découvrir avec vous et être très surpris. On va voir. Le cas échéant, je vous dirai spontanément dans mon commentaire à chaud ce que je ressens. Mais... Enfin, il faut pas que ça devienne vogue la galère, quoi. Hop, 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 hop. C'est rassurant qu'on voit le tracé à l'avance. Qu'on voit les 100 mètres suivants, c'est très rassurant. Wow, il y en a du monde. Il y en a du public. C'est la célèbre montée de Fafé. Au Portugais. Joli. Ah, j'aime bien mon enchaînement. Ah. C'est dingue. Là, je le fais sans avoir la voix du copilote. Je suis en mode sourdin, ça me fait bizarre. Vous entendez naturellement donc du coup le jeu. Mais moi j'ai plus mon retour son de la console. Bon bah tant pis. Hop hop hop. Je suis arrivé un peu trop rapidement en sortie de virage. Heureusement que j'ai la signalétique symbolique en haut de l'écran parce que... Sans quoi, ce serait de la totale improvisation et à mon avis, je ferais beaucoup plus de... Là, il m'annonce un saut. Hop là, attention. Ah, j'ai freiné juste avant.
histoire de pas me fracasser. Ah bah c'est l'arrivée. On voit la tente des commissaires de course de l'arrivée. Ouais, ça va. Oui, voilà, 8 secondes de retard. Sur un chrono officiel, je m'en sors bien. Eh ben voilà, c'était la dernière étape portugaise, dis donc. Excellent Cyber Jojo. On peut dire que ça fait plaisir cette course, ouais. Ça fait un peu le mec qui a les dents pétées après un accident. Elle est bien bonne, bien jouée Cyber Jojo. Oui, ou l'autre gauche, ouais. Aïe aïe aïe. Alors, je connais pas strictement les conventions du championnat de rallye automobile et chaque copilote que je sache est libre d'avoir sa codification en tandem avec son pilote au volant. Mais ce qui me rend fou dans le jeu là, c'est d'entendre de gauche, de droite, qui veut dire évidemment second rapport de boîte de vitesse et la direction à suivre. Mais de dire de gauche, de droite, surtout en ce moment, avec le calendrier politique et la présidentielle, j'ai l'impression que mon copilote me rappelle la politique. Ça m'en fout. Et j'ai envie de... Enfin, j'espère que dans le second opus, ils vont intervertir. Ils vont dire gauche 2 et droite 2. Oui, mais ça me bouffe. Vraiment, ça me bouffe vraiment. Ça me... Instinctivement, tout de suite, ça me claque. Ça me monte au cerveau, le truc, et ça me bouffe. J'arrive pas à m'y faire. Ah là 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 là. Oui, je crois. Alors du coup, j'ai pas regardé mon point final, mais ça fait 3 minutes 30, 4 minutes, je crois. Aïe, 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 aïe. Bon, bah voilà, va y avoir un dernier code à entrer, puis je vais avoir une grappe de 3 épreuves à faire. Je sais déjà plus quel pays. On a fait Grande-Bretagne. On a fait Monte-Carlo, donc c'est la France dans les Alpes-Maritimes. Là, c'est la dernière des 3 épreuves du Portugal. Je me demande si le 4e et dernier pays challenge WRC, c'était pas la Suède. Si c'est la Suède, je vais m'éclater. Vous savez que j'adore les courses sur glace et que je suis à mon aise. C'est là où potentiellement je score. Ouais, c'est ça. Et pour tout droit, on dit ni de gauche ni de droite. Exactement. Il pourrait dire aller au centre, mais bon, bref. je crois savoir que c'est la Suède, donc ça va me plaire. Voilà, c'est la fin. On va le savoir tout de suite. Voilà, continuer de challenge. Donc là, il va me donner mes écarts sur le lot des 3 épreuves. Voilà, clac clac, il me donne mes chronos. Voilà, bon, ok, nickel. C'est juste pour le plaisir de faire. Par contre, là, je vais me remonter le chat et je vais retrouver mon code de tout à l'heure. Voilà, pour faire la dernière épreuve. Alors, attendez. Challenge WRC, on va dans Entrée Code Challenge. Et là, c'est 7. Alors. 765. Non, 745. 745 MJJ. MJJ. Voilà. Voilà, la Suède. Oui! Oh, le bonheur! Finir sur 3 épreuves de course sur glace. Là, je vais me faire plaisir. Allez, un peu moins de 6 km. Ouais! Ça, c'est le final. C'est génial de finir sur la partie favorite. C'est un final feu d'artifice, ça, que je vais vous faire. Oh là là, la classe. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Je vais boire un coup avant de démarrer. C'était de l'eau fraîche. Oh, neige! Oh! Je suis plus habitué à la flotte, mais là, d'avoir la neige, ça change. Oula, 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 oula. Je suis à fond, elle patine quand même, hein. Gauche. 50, 5 gauche.
Oula. Waouh, 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 waouh. Un petit peu trop large. Reprends. Elle est lourde, la Mitsubishi Lancer. J'ai l'impression de piloter une berline allemande en Grand Tourisme, presque. Faut pas que je me laisse distraire par mes alertes de tablette. Sinon, je vais faire une contre-performance. Je suis vachement à l'extérieur, là, faut que je fasse gaffe. Ah, bien là. Là, j'étais bien centré sur la piste en dérapage contrôlé. Là, c'était l'idéal, mon truc. Faut bien que je pointe le museau, le capot de la voiture vers là où je veux aller en plein virage, surtout en sortie de virage. Et après, j'ai plus qu'à gérer à doser la reprise, en espérant de pas trop patiner sur la glace. Oh, trop vite! Ah, trop tard! Dommage! Aïe, 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 j'ai merdé le freinage là, chiotoum. Chiotoum, chiotoum. Ça va, je suis pas trop pénalisé. Sachant que c'est des chronos réels. Dommage! Ah, fallait que je vous en parle pour que je commette la faute. La faute! Oula, ça trace vachement droit là. Pas droit, non. Là, c'est peinard pépouze là. À se demander si on fait pas le contour d'un lac gelé. Attention le saut! Non, ça va. Si, ça tape un peu. On doit faire bobo au fessier quand t'es à bord. De droite et de gauche, 50, 3 droite. Arrivé. Oui, ouais, pas mal. Ah, c'est dommage que j'ai fait ma grosse sortie, ouais. Ouais, c'est correct. Oh, c'est les chronos officiels. J'ai 2 secondes et demie de retard. Bah, il reste encore deux étapes agréables de Suède. Et puis voilà, ça nous emmène tranquillement vers les 13 heures. Bah, c'est le scénario idéal, c'est cool. C'est vraiment dommage que j'ai eu des merdouilles ce matin, quoi. J'ai eu de 9h à 10h la galère technique, là, mais bon. Je retiendrai la leçon, au moins. C'est le genre de truc qui m'arrivera plus dans le futur, dès que je verrai qu'il y a un truc qui est hors de contrôle alors que j'ai tout verrouillé. Faudra que je débranche et que je rebranche tout le bazar, quoi. Histoire de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Jouer la provocation, comme j'aime le dire en informatique, pour résoudre un problème. Provoquer l'électronique. C'était strictement ça en fait ce matin. Ah là 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 là. Attention. Je suis un peu trop assis sur la veste. Ouais, donc cet après-midi, on va se faire 4 heures en gros de Duke Nukem, 14h-18h. À 18h, je ferai relais de chaîne vers l'ami Bombastos qui lui continuera de l'horreur et visage. Ça, c'est cool. Et là, tout de suite, pour la pause déjeuner, je vous ferai relais chez Olive pour avant de vous retrouver à 13h. Je veux pas couper brut le signal, et puis Olive qui est adorable, hein, donc il m'a aidé ce matin. Elle joue sur Skyrim, donc c'est en attente de Duke Nukem. N'hésitez pas à passer dire bonjour à l'adorable Olive qui se fait du Skyrim. D'ailleurs, je regarderai volontiers sa rediffusion en semaine, moi. J'aime bien, elle joue de manière relax, pépouze, et c'est marrant. C'est marrant. Ah, j'ai retrouvé le Finlandais avec le nom de famille à rallonge. Quand il y avait la vue embarquée cockpit avec les visages des pilotes, il y avait le nom indiqué en bas. Je l'ai reconnu. Aïe, 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 aïe. Ah, si vous vous souvenez dans le jeu, à un moment on voit pilote Ford dans le tableau des scores là en plein championnat. Et je vous avais émis la théorie comme quoi c'est peut-être une personne qui s'est désistée dans le championnat et qui a laissé vacante la place. Et pour compléter, les concepteurs du jeu, en fait, ont mis un nom générique, pilote Ford, avec un chrono quelconque. Et j'ai regardé, en fait, par rapport à l'époque, toujours sur Wikipédia, hein, où il y a toutes les archives de tous les championnats automobiles toutes les années, là, pour essayer de trouver réponse à la question. Ah, c'est la fameuse longue de 12 bornes. Eh ben c'est parti, on va se la faire.
J'ai pas trouvé l'explication. Je sais pas si c'est... Ou alors c'est une erreur de programmation dans le jeu. Et ça devait désigner quelqu'un. Ils ont pas le temps de renseigner le champ. Ils ont laissé par défaut pilote Ford. J'ai essayé de comparer avec la, les enregistrements officiels de l'époque. J'ai pas trouvé. C'est bizarre. Enfin, c'est anecdotique, hein, ce que je vous dis, mais... Je m'étais posé la question et en fait, j'ai pas trouvé réponse après avoir mené l'investigation sur... sur Wikipédia, je n'ai pas cherché. À vrai dire, j'aurais pu chercher en vrai sur le site officiel WRC. Pardon. Le championnat du monde des rallyes, mais je voyais pas l'intérêt. Oh non, je fais pause parce que mon Streamlabs a crashé. J'arrive tout de suite, attendez. Ah, normalement, vous devriez me capter. Oh coucou, je sais pas. Je peux pas se relancer en fait. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Oh là là, le temps perdu. Ah, je rentends mon copilote. 54, 3. C'est bizarre comme ça, mon BS qui. Et la chose que j'ai pas encore faite, en fait. On appelle ça. C'est de copier-coller tous les liens. Tabs. Et de les incorporer dans l'OBS classique. Regardez, en fait. Là, je l'ai pas encore fait. Il faudrait que je le fasse. Je le ferai peut-être là entre les deux fêtes. Entre les deux. Oui, me revoilà, pardon. C'est bizarre, hein. Les Streamlabs OBS qui est pas fiable. Droite. 50, 3 à gauche. Oh, elle a bien patiné. Long, 4 gauche. 100, épingle droite. Sur crête. Ah, j'ai freiné un peu trop tard. Dans deux gauches, 50. Attention, tour devant. 50, épingle droite. 50, sur crête. Dans quatre gauches. Oui, la musique, quoi. Ouais. J'ai lancé la 50, musique. Deux droite. Dans 4 gauche. 100, 5 gauche. Ouais. 50, long, 4 gauche. Sur crête. Dans 3 droite. 100, 2 gauche. Ouais. Ah, normalement, l'étape est tellement longue de 30 qu'elle doit. Et 1 gauche. Waouh, 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 je pensais pas être arrivé si vite en dérapage dans le virage. J'aurais pas eu la bordure, j'aurais giclé dans le décor là. Attention, tour devant. Je suis laissé surprendre. 50, épingle gauche. 100, 2 droite. Attention, tour devant. Ouais, bah je vais baisser 50, le son. La diffusion, je vais baisser. Sur crête. Dans 5, droite. 50, tour devant. 50, long, 3 à gauche. 50. 50, sur crête. 50, 4 gauche. Et 13 heures. Attention, tour devant. Nouveau coup. J'ai le son. Attention, tour devant.
gauche. Oui, bien, beau dérapage. Sur crête. 50, 5, 3. Ouais, fini le coucou. Plus changer le son. Et 4, ah, c'est pas plus mal, toi, tu. J'ai envie de dire, t'en auras l'exclusivité, fan fan. Là, sur ta chaîne. Ah, je sais. 50, sur et le plaisir. Et je sais pas si je vais garder le son là, c'est ce que je dis tout à l'heure. J'arrive plus avant la 6ème patine à ma. Et 5 gauche. Voilà. C'est un final explosif où je bousille ma caisse. Y'a plus de respect. 50, 2 droite. Dans de gauche. 50 sur crête. Là normalement c'est la dernière portion et ça doit être les deux derniers kilomètres. J'ai déjà un chrono de toutes les minutes. En général les meilleurs je crois qu'ils bougent sous la barre de 5. Et là j'ai fait. Voilà c'est l'arrivée. Là, je dois avoir 30 secondes de retard, je pense, par rapport au chrono. Presque, voilà, ouais, quasiment. 25 secondes. Oh, dommage. Et alors, la musique. 3, 2, 1, vas-y. Ouais, tiens, je vais finir sur la musique. Il reste encore une épreuve, et puis... Derrière un peu le crâne. Mais très. Il est tombé. Alors que j'avais bien lancé mon. Mettrai un autre chapeau cet après-midi. Lequel je sais pas. Ah, si on fait l'épisode Noël, j'ai mon costume de Père Noël. Je vais peut-être le mettre cet après-midi, tiens, pour me barrer. Rigolo. Et je vais avoir chaud. Enfin, c'est pas plus mal, hein. Je vais pas m'en plaindre, mais... Tiens, je vais m'amuser à mettre mon costume de Noël, moi aussi, tout à l'heure. Pour l'après-midi. Je crois qu'on rigole un moment. Ah, bah, j'ai retrouvé mon sage de Nancy en hook. J'avais dit que je le faisais sauter. Aïe aïe aïe. Hop, je fais. Problème du. Bazar. Oh pardon. Ah donc je reviens en normal. Attends, je reviens. Je teste, hein, je teste. Phase bêta. Je fais n'importe quoi. Là, j'ai même pas le logo, il faut vraiment que je recoupe. Ah ouais. Faut que je me force de faire ça là, la semaine qui arrive ou la semaine suivante. La quinzaine. À reprendre la compo de Streamlabs OBS et la mettre en OBS classique. Voir si je peux avoir un max d'options. Ouais, je suis complètement en roue libre. Et après, je ne touterai plus. À la fin de la phase bêta, au 1er janvier, franchement, j'arrête de bêter ça. J'ai plus qu'à allumer. On passe un bon moment ensemble, basta quoi. À la longue c'est bouffant. Hein. Ça te bouffait du temps et de l'énergie. C'est très intéressant, c'est vraiment une expérience que j'invite à vivre à tout à chacun, à bidouiller sa chaîne. Pardon. Mais j'ai une démangeaise à l'œil. Et
Mais c'est génial, quoi, de pouvoir partager des mondes ensemble. Alors là, je suis aveugle comme une peau. Je suis myop. Je vais réussir à prononcer. Là, je vois mes deux écrans en super flou. Et ça fait presque de l'art abstrait. On va avoir à peu près 5-5 à chaque fois. D'ailleurs, il faudra que je retourne voir le là, j'avais une démangeaison à l'œil. Même faire correct. Et donc j'avais mis quoi? J'avais mis 5 minutes 30, ouais. Encore 2 minutes. Allez, quoi. Bah je rends l'antenne. Ah, d'ailleurs, ça me. Essayer d'avoir le retour. Les chaînes d'actu sur ma tablette en espérant que ma tablette ne crache pas. Moi, le temps que je relance entre les deux mon ordi, je vais voir comme suit. Ouais, oh le cran. De droite. Le son. Le son. J'suis en train de charger mon direct. Ah, sur tablette, c'est sympa, le rendu. De gauche. Non, c'est bizarre, je m'entends pas. Je vais couper le son. Oh la vache! Je suis en train de voir entre mon direct et le différé sur la tablette, j'ai 6 secondes de décalage, je vois au chrono en fait de l'étape. C'est vachement révélateur. J'ai 6 secondes de décalage. Ma Z. Allez, la dernière étape. Et puis, déjeuner. Pas de duke M dans la. Alors, tac. Voilà, Mangen. 8 km. Oh, quand même une étape de. Ouais, moyenne. Là, je suis pas avec vous moins de 10 minutes je. Ouais c'est ça, ouais j'ai 7 secondes de décalage exactement. Ce que j'aimais, ce que je vois en. Pourquoi j'ai pas le sens? J'ai peut-être. J'ai même pas accès au son sur la tablette, je sais pas pourquoi. Oh non, de nuit! Oh, oh dur! 3, wow. 2, 1, vas-y! Concentration! Temps, long, de gauche, serré! Oh, je suis en train de me dire, ça aurait été classe qu'il n'y ait pas mes aurores boréales. 50, 4 gauche! J'aurais eu trop de lacunes. Dans 4, 3. Peut-être qu'on verra ça dans la des autres. 200, la saga de WRC. Allez savoir. Oh, ça va être trop magique. De... 50, les preuves de rallye sont hors boréal. 50, c'est dur en vrai. 50, 4 gauche. Ah, faut être proche des pôles en fait. Alors le phénomène. Ah, mais... Est-ce qu'il reste aux épices ah, quoi. Après, c'est peut-être trop froid au niveau. Pour la mécanique. Là, c'est pas une question. Bon, j'ai pas la réponse. 50, très long, 4, 3. Ah.
pas que je le chie, elle est courbe. Courbe, elle a... Elle commence à déraper. Quoi ? Ah, en version platine. ASDD. Oh, j'ai du vert. Vas-y. Large. Largesse. 50, 30, donc 4 gauche. 100, 4 droite. 100, 4 gauche. Oh, j'ai trop de large en plus. Raison que j'ai pas d'une tête. 100, 5 droite. 50, ah, je pensais mettre de l'effet dans la tuture, mais ça a pas marché. 50, sur crête. Décélérer n'a servi à rien. 100, long, 3 droite. Oh, au moins j'aurais essayé. 50. Arrivé. Ah, ah, trop. Car hop là, alors je vais déjà programmer 3, 2, le raid chaîne Beroli. Vas-y, temps long de gauche, serré. Ah, ça je le déclenche dans 2 minutes. Comme je... on se bon, réalise, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, déjà que je peux vous remercier d'avoir été un fan pour la fédération. L'animation, je... Là, tu m'as pas envoyé de message, je crois. Ah, pas encore. Je pense que tu seras plus déchaîné tout à l'heure sous du... Attendez. Là-dessus, je te fais con. Voilà, bon appétit à vous. Donc, à la prochaine. Je sais pas si tout reviendra pour nous. Après. Au pire des cas, vous savez, hein, j'archive. Et en différé les épisodes directs. Et met en ligne en général en gros avec une seule page sur YouTube. Pas perdu. Oh, merci à vous, Cyber Jojo. Donc cet après-midi, on termine des aux Caraïbes avec les notes spéciales Noël. Il y a un trouillon de faux Père Noël qui donc son autruche idée. Je sais plus, je l'avais fait l'épisode là, je crois que c'était un automate en fait. Un extraterrestre, et l'épisode en plus, ouais, il est... je dis à chaque fois ça pour les épisodes spéciaux, mais le ouais, tout à l'heure, fun fan, bon app, merci. Et ouais, les cartes sont spéciales dans le on le découvrira tout à l'heure. Je connaissais pas, et j'ai un peu la hantise de faire. J'espère que je vais pas rester bloqué trop longtemps. La première fois que je l'avais découvert l'épisode là, je crois que j'avais chu au bout de l'épisode. J'avais mis un petit bout de temps avant de trouver la solution en rond pendant un peu. Souvenez-vous du côté vicieux de la carte d'accès bleu dans le pilier qu'il faut faire exploser. Avec l'énigme dans le mur, le soleil, machin. Ah, c'est l'épisode de Los Angeles version Noël. Ah non, je me souviens pas de ça, moi. Je me souviens vraiment d'un épisode à part, vraiment à part Noël. Bon, bref, on verra. De toute façon, bah, bon, la thèse. Et courant 2022, je ferai donc je téléchargerai les cartes personnalisées, les fans. Vous avez dit, j'avais téléchargé un lot de cartes de fans. De... On dit normalement réputé. Et là, de toute façon, bref, j'ai de quoi faire. Et courant 2022, de temps en temps, on se fera un petit dimanche après-midi du Pupel 3D, je crois.
temps à autre, je ferai les cartes des fans, en fait, qui sont réputées à l'international. Ils sont pas les officiels de l'équipe. Bon, voilà, je vois qu'on arrive à la fin de l'épreuve. J'initialise le raid. Sachant que... Ben voilà, c'est marrant, je vois le retour sur ma tablette. Voilà, qu'il me reste 60 secondes. Merci tout plein d'avoir été là, c'était... Ben, je voulais... Ben, ou alors je zappe rapidement. Ma tronche en gros plan. Voilà, merci tout plein, cool. Bon appétit, à tout à l'heure, à partir de 14h pour le... Pour le Duke Nukem 3D. Voilà, prenez... Je pense que la bascule va pas tarder à se faire. Alors, j'ai pas de jauge de... Même sur ma tablette qui me fait un écran, je vois pas la jauge de quand je bascule. Alors, je crois que je vais pas entendre Liv parce que j'ai pas de son sur ma tablette, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ma tablette me restitue pas le son de mon signal. C'est un mystère. Je suis pas en mode muet pourtant. Attends, est-ce que j'ai le son sur ma tablette? Bisous, bon app, hein, ça va zapper. Ah, c'est moi qui ai pas mis assez fort le son de la tablette. Voilà pourquoi. Voilà, ça te... Ça a coupé ou pas? Il y a un message de... Faire face, mais... Ça va couper, chérie. Non, c'est toi qui raccroche d'abord. Ouais, c'est ça, c'est le sketch là, en fait. Alors... Ah, voilà. Attends, je vais couper.